Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici au Parc Saint-Jacques pour ce match entre le FC Bâle et le Servette FC. Et pour ce match de la 32e journée de Super League, j'ai l'honneur d'être accompagné de Timothée. Comment ça va Timothée ? Je vais très bien Tibor et je suis aussi ravi de se retrouver pour ce match. Ça reste un déplacement qui est quand même intéressant et historiquement qui ne réussit pas très bien au Servette FC, même si la dernière sortie ici en terre baloise était une sortie conquérante. Et on a réussi à ramener les 3 points, donc hâte de voir ce que ça va donner aujourd'hui. Deux équipes qui sont pas spécialement en forme, ça va être important pour Servette d'essayer d'inverser un peu la tendance. Aucune victoire depuis la pause internationale, donc j'ai hâte de voir comment cette partie va se dérouler. Ouais, des dynamiques assez, je dirais, égales, même si Bâle a gagné son dernier match. Sur les 5 derniers matchs, Bâle n'a gagné qu'une fois, c'est autant que Servette qui a gagné maintenant il y a quasiment plus d'un mois. C'était face au Lausanne Sport, ça nous manque un petit peu entre deux. Il y a eu l'élimination à Pilsen qui a fait un petit peu mal quand même peut-être. Et un match avant la trêve qui était quand même plutôt rassurant face au FC Lucerne, un bon match nul j'ai trouvé. Oui. Et puis derrière ouais, ces 3 défaites en une semaine qui ont fait vraiment mal aux Servettiens. Espérons que le mal n'est pas plus profond que ça. Ouais, en effet, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Et comme tu l'as dit, ouais, du côté du FC Bâle, à part la dernière victoire sur les 5 derniers matchs, c'est une victoire. 2 défaites pour 2 matchs nuls également. On peut faire un petit point au niveau du classement. Donc le Servette FC est passé 3ème avec le match qui s'est déroulé de Lugano hier et la victoire luganaise. Donc le Servette FC a toujours l'opportunité de finir dauphin à la fin de cette journée en 4 victoires, mais c'est clair qu'avant la pause après la pause internationale, avant que le championnat reprenne, on ne s'attendait pas en tout cas à avoir le Servette FC dans une posture telle qu'elle est aujourd'hui. Donc ça va être intéressant de voir ce que ça va donner aujourd'hui. Est-ce que cette série de défaites et la pression du potentiel du titre, du fait d'être proche d'IB, est-ce que maintenant il y aura une pression par rapport au fait de récupérer cette deuxième place? Non, je pense plutôt que ça devrait être motivant en fait de se dire on a été dépassé par un Lugano qui est en forme, qu'on va devoir encore affronter au tour final. D'ailleurs ce tour final qui s'annonce vraiment comme 5 finales, hein, ça va être assez simple. S'il y a encore une course au titre au terme de cette 32e et cette 33e journée pour ce tour final, à voir à quel point les matchs contre Lugano justement et contre IB seront importants. En tout cas ça risque de s'annoncer assez bouillant. Oui, en effet. Ah, c'est clair que ce sera la première fois qu'on aura ce dernier tour de championnat avec les meilleures équipes. Et c'est clair qu'il y aura pas mal d'enjeux. En tout cas, pour l'instant, l'enjeu, le titre est loin d'être joué pour Young Boys toujours. La bataille pour la deuxième place bat son plein. Et c'est vrai qu'il nous reste plus que 2 journées avant ce regroupement avec les meilleures équipes. Alors, Servette, sur ces 2 derniers matchs avant le tour final, va affronter 2 équipes qui ont besoin de points tout de même pour s'éloigner de la zone rouge. Surtout que grâce au père d'essayer de s'échapper de cette place de barragiste et Bâle de ne pas y aller en fait, de pas foncer droit dedans et IB qui va quand même affronter aussi Lucerne qui cherche cette 6ème place qui va être compliquée à atteindre si les Lucernois ne s'imposent pas cet après-midi au Vangdorf. Donc on espère qu'on aura peut-être un petit coup de pouce de la part des joueurs de Suisse centrale et puis Winterthur qui est en forme également, même si ils ont perdu ou il y a eu un... Il semble un match nul face au FC Lugano qui a d'ailleurs stoppé la série de victoires luganaises. Mais c'est vrai que IB n'a pas non plus un calendrier facile jusqu'à la fin de ce championnat. Peut-être que tu arrives à retrouver le dernier résultat de Winterthur. Mais il me semble qu'en fait Winterthur n'a pas joué depuis ce match nul face à Lugano et joue cet après-midi. Winterthur va jouer quoi, cet après-midi contre le Stade Zanushi. Winterthur qu'on retrouvera donc en demi-finale de la Coupe, hein, juste après le match face à grâce au père et cette dernière journée du championnat on va dire régulier. Oui. C'est une équipe qui nous a pas réussi pour l'instant, au contraire du FC Bâle, hein, qu'on a quand même battu 2 fois cette saison. Tout à fait. Qui nous réussit sur les 7 derniers matchs on va dire. 5 matchs nuls et 2 victoires pour les Servettiens. On avait eu le droit à 4 matchs nuls la saison passée et pour l'instant 2 victoires, donc espérons que ça continue sur la même lancée et qu'on arrive à avoir une 3ème victoire face aux Bâlois. Mais ce serait quand même assez fou de se dire que en 25 ans on n'avait pas gagné au Parc Saint-Jacques et de là peut-être en 6 mois gagner 2 fois, on n'en est pas encore là, mais si ça se réalise, il y a certains points où on pourra dire que la saison est quand même réussie. Oui c'est certain, bah déjà avec l'épopée européenne c'est sûr que la saison est réussie, mais c'est vrai qu'au niveau domestique, déjà
combler et réussir à gagner du côté du Parc Saint-Jacques, c'était quelque chose de très compliqué à faire. Ça a déjà été fait une fois, il y a l'opportunité de le faire deux fois. Ce serait tout simplement historique, remporter deux fois ces matchs au Parc Saint-Jacques. Donc c'est clair que ça va être une rencontre plein d'enjeux et on a vraiment hâte d'y être. On a en tout cas un beau tifo côté balois, un tifo assez sympathique côté servettien également. Ouais. Et je pense que ça va être le moment parfait pour parler des compositions des équipes avant que les joueurs fassent leur entrée sur le terrain. Effectivement, tu veux commencer par laquelle ? Je vais commencer par l'équipe visiteuse, notre Servette FC, une composition assez classique côté Grenard, rien de spécifique, un 4-4-1-1 avec dans les cages Joël Mal. À noter que Jérémy Frick n'est pas présent sur la feuille de match, c'est Léo Besson qui sera le gardien remplaçant en cas de pépin. On l'a croisé également dans les tribunes. Jérémy Frick et la défense sera composée sur les côtés de Mazico à gauche, Tsunemoto à droite, la charnière centrale du classique Séverin Rouillé. Ensuite le milieu composé de Kuteza, Ondua, Konya et Stevanovic. On aura Crivelli en pointe et finalement Alexis Antunes en soutien. Alors que pour le FC Bâle, on aura le droit à une composition, j'ai envie de dire encore une fois, différente. Je pense que le FC Bâle n'a quasiment jamais eu le même 11 de départ cette saison, tellement il y a de joueurs et tellement il y a de blessés également, on va en parler. Avec au but Marvin Hitz qui retrouve sa place, je crois que c'était Mirko Salvi lors des derniers matchs, peut-être sur une blessure du gardien donc. On aura une défense à 3 visiblement, en tout cas c'est ce qui nous a été annoncé, avec Vouillot, Adjetey et Van Bremen. Un milieu à 4 composé de Rueg, Abdoulaou, Chaka et Schmidt. Et pour l'attaque, on va dire, on a l'impression qu'on a un Frey en numéro 10. Frey qui peut jouer littéralement partout, mais c'est vrai que ça paraît assez bizarre. Donc Fabien Frey en numéro 10, accompagné de Antoine Cadet et Tierno Barry au poste de numéro 9. Alors que les joueurs font leur entrée sur le terrain, une belle ambiance ici au Parc Saint-Jacques et une belle affluence également. Ouais, une belle affluence, il y a le troisième étage qui n'est pas totalement plein, mais c'est vrai que l'affluence est toujours rendez-vous généralement du côté balois. Et ce match et cette 32e journée de championnat n'y fait pas exception. Les 22 acteurs sont en train de faire leur entrée sur le terrain et c'est vrai qu'avec le tifo balois, c'est assez sympa. On a également un petit show pyrotechnique côté servetien qui est assez sympathique également. Et ça sera le ton pour cette journée où deux équipes sont en recherche de points pour des dynamiques assez différentes au niveau du classement. Et la victoire est capitale presque pour les deux équipes, j'ai envie de dire. C'est sûr, c'est une victoire qui va être recherchée par les deux équipes qui sont, comme on l'a dit, en manque de confiance. Hein. C'est assez criant sur ces derniers temps et on espère que ça va tourner du côté servettien évidemment. Alors, en effet, les servettiens qui sont vraiment en manque de points depuis cette reprise et cette pause internationale. On se disait peut-être qu'elle arrivait au bon moment, ça allait permettre de reposer certains éléments et finalement peut-être que l'enchaînement des matchs n'était pas si mauvais que ça parce qu'il n'y avait pas eu spécialement un nombre important de blessures. Et c'est vrai qu'en tout cas cette pause a cassé la dynamique servettienne. On espère que la marche en avant va pouvoir continuer aujourd'hui avec ce match de la 32e journée donc de Crédit Suisse Super League. Les deux équipes sont en train de se placer. Les servettiens qui vont attaquer devant le COP balois pour commencer le match comme à l'accoutumée, à moins qu'un changement va être effectué. À noter que le capitaine donc de ce soir sera, enfin de cet après-midi, sera Steve Rouillet côté servétien et Fabien Frey côté balois. Apparemment les servétiens je pense ont remporté le lancer de la pièce car ils vont attaquer directement devant la section Grenat et les supporters genevois qui ont fait le déplacement. En nombre ouais, peut-être 300-350 servétiens. En tout cas il y avait un train spécial qui partait ce matin de la gare depuis 9h45, donc un réveil assez matinal, que ce soit pour nous ou pour les servettiens, les supporters servettiens évidemment. Tout est prêt, le match devrait pouvoir débuter, même si on a encore les servettiens qui sont unis pour se donner les dernières consignes, les derniers mots d'encouragement avant un match qui peut être capital pour cette fin de saison, se redonner de la confiance, redonner une bonne dynamique avant ce tour final donc. En effet, c'est 14h15, les servettiens sont en train de se positionner. Je suppose que le coup d'envoi va être donné d'ici quelques instants. C'est les Balois qui vont lancer cette partie.
avec les équipes sont en effet tous placées. Ça va être Paris qui va lancer ce match. Un peu de fumée avec les fumigènes du côté servétien qui ont été déclenchés. Et normalement, 14h15, le coup d'envoi devrait pouvoir être lancé d'ici peu. Et c'est chose faite, les Ballois lancent directement cette partie avec un ballon de Frey sur le côté gauche. Une volonté offensive rapide côté Ballois. C'était assez chaud là, l'intervention de Rouillet sur Barry à la limite de la surface. Pas de faute signalée par l'arbitre et la touche Ballois a été jouée rapidement. Mais le ballon est également rapidement perdu. Crivella qui se bat au milieu de deux Ballois. Et le ballon va être une nouvelle fois disputé. Mais il est récupéré par Finn Van Bremen directement sur Marvin Hitz qui redonne le ballon au défenseur néerlandais. Avec Schmidt maintenant qui lance un long ballon à destination de Barry au duel avec Rouillet. Mais ça a été récupéré par Gael. On change de côté maintenant, on est sur la gauche avec Bradley Mazikou qui lance directement Alexis Antounès. Alexis Antounès là, vers le poteau de corner qui est au duel avec deux Ballois. Il y a peut-être une faute là de Kevin Rueg et finalement ce sera une touche pour les Ballois. Alors, en effet, selon moi j'ai l'impression qu'il y avait quand même en tout cas une faute. Alexis Antounès s'est protégé, a protégé son corps et a mis le ballon loin du Ballois. Le Ballois qui était obligé de faire une intervention et jeu légitime par l'arbitre. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que c'est bel et bien la compo qui nous a été indiquée. Hein. Frey qui est assez haut et on voit clairement la défense à 3 Balloise. Comme je l'ai dit, hein, le 11 est souvent différent pour les Ballois, mais là c'est même le système de jeu qui m'a l'air différent. J'ai pas l'impression que le FC Ball joue souvent à 3 ou à 5 derrière. En effet. Et peut-être que va falloir un temps d'adaptation ou alors peut-être que les Servettiens vont tout simplement en profiter pendant le match. Au vu de ces changements nombreux. En tout cas, on l'espère, mais c'est vrai que c'est assez surprenant de voir Frey vraiment en soutien. En tout cas, c'était ce qui était annoncé sur la composition, ça nous avait un peu surpris. Et dans les faits, c'est vraiment ça qu'on est en train de voir. Un Fabien Frey en soutien des deux attaquants, Cadet et Barry. À voir si ça va rester comme ça tout le long de la partie, mais a priori, oui. En tout cas, pour l'instant, le ballon au Servette, il y a un ballon vers l'avant de Steve Rouillet. Dévié par Antoine pour Crivelli, et finalement, c'est Cogna. La balle est servétienne maintenant avec Bradley Mazikou qui se débat face à Abdoulaou. Au pressing d'Abdoulaou. La faute sera Balloise. Au front donc pour les Servettiens avec Mazikou devant le banc de touche servétien et juste devant René Weiler qui pour l'instant j'ai envie de dire n'est pas malade. On se souvient qu'il était tombé malade au cours de la deuxième mi-temps ici à Bâle le 21 novembre dernier il me semble. Il y a pas loin de 6 mois donc pour cette seule victoire en 25 ans pour les Servettiens. En effet. À Bâle bien sûr. Oui, exactement. Cette forteresse qui était imprenable avant cette saison et on espère que ça va changer avec deux victoires dans la même saison. Bah on s'en souvient lors des dernières saisons, un ou deux matchs nuls ici, mais surtout pas mal de défaites et des fois même des gros scores. Hein. Je me souviens d'un 5-1, d'un 5-0 peut-être. Il y a eu un 2-2 avant le Covid, mais c'est vrai que c'était souvent assez défavorable aux Servettiens qui finissaient parfois même les rencontres à 10 voire même à 9 lors de la dernière défaite ici à Bâle le 13 mars 2022. Alors, en effet, il y avait une défaite 5-1 lors de la saison 2021-2022 le 8 août en début de saison. Et c'est vrai que ce sont des défaites qui sont généralement assez imposantes. Et il y avait également une défaite le 13 mars 2022 sur le score de 2-0. Où on avait justement terminé à 9. Ouais. Avec un duel entre Rueg et Kuteza. Le ballon est finalement pour Abdoulaou qui peut écarter sur le côté gauche avec Schmidt. Schmidt qui va temporiser, qui va revenir sur Van Bremen. Van Bremen avec Abdoulaou. On voit les Servettiens qui n'exercent pas vraiment un gros pressing mais qui sont pas non plus hyper bas pour l'instant. Et heureusement, mais là il y a une faute assez haute justement de Johan Severin. Sur Tierno Barry qui est en confiance. Hein. Je crois qu'il a déjà marqué ses. Il est peut-être à 8 ou 9 buts maintenant, alors qu'avant 2024, il n'avait pas marqué encore en championnat. Il va falloir quand même faire attention à ce joueur. Évidemment, tu vas vérifier ce que je dis. On va essayer d'être précis au niveau des chiffres qui ont été donnés, au niveau des statistiques de Tierno Barry cette saison, attaquant qui met de la taille hein, avec son mètre 95. Et en effet, c'est 7 buts pour 4 assists et 28 apparitions. Et justement, voilà, on retrouve ouais, Barry dans la surface. Et il y a un gros duel là entre Barry et Rouillet. Une nouvelle fois, j'ai envie de dire.
Mais heureusement pour les Servettiens, ça se termine bien, même si là il y a une touche baloise qui a été jouée par Rueg avec Chaka, les deux joueurs qui peuvent combiner. On va finalement revenir sur l'ancien Servettien, Nicolas Vouillot, qui va écarter sur Finn Van Bremen. Enfin, un ballon qui manque de précision récupéré par Rondoua Antunes. Finalement, c'est Abdoulaou qui n'a pas compris là. Récupère ce ballon, ouais. Un ballon pour Tolang Jaka avec Fabian Frey. Il va écarter sur le côté gauche avec Schmidt. Schmidt qui a un peu trop poussé son ballon et Keigo Tsunemoto qui est parvenu à couvrir la manque, le manque de précision du côté de Schmidt. La touche est directement jouée sur Van Bremen. Donc Jaka. Jaka qui cherche des solutions. Il va essayer de jouer loin devant avec Tierno Barry qui se défend bien. Et le ballon arrive à nouveau dans les pieds de Vouillot pour Abdoulaou. Attention au pressing de Crivelli. Abdoulaou est toujours en possession du ballon. On change de côté maintenant avec Rueg. Et Rueg qui va revenir derrière lui au vu du bon pressing servettien. Ouf. Et Crivelli a l'air de s'être blessé. Crivelli qui vient de se coucher dans le rond central. Effectivement, j'avais parlé d'une incompréhension entre Antunes et Crivelli. Est-ce que Crivelli s'était fait mal juste avant, juste à ce moment-là, sur une accélération? Je sais pas du tout. Mais ouais, l'attaquant français a l'air de s'être blessé un peu tout seul. Et c'est Nishimura qui a été appelé par René Weiler qui lui donne les instructions. En effet, mais c'est vrai que ça a l'air d'être assez grave pour Crivelli. Je suis pas certain, pas spécialement grave. Ouais, le changement a été demandé, si j'ai bien compris les signaux qui ont été envoyés. En effet, Nishimura est en train de terminer son échauffement, j'ai l'impression. Ouais, c'est chose faite, il va enlever son chasuble. Et Enzo Crivelli qui va déjà céder sa place hein, après seulement 7 minutes de jeu. Petite tuile côté servettien. On sait qu'il peut être toujours utile Crivelli avec son gros pressing et il est souvent recherché sur les longs ballons. Ce sera un point d'ancrage en moins en tout cas pour les Servettiens. Et on voit que malgré son but face au Slow, qui est le dernier buteur, hein, Jérémy Guimeno est passé 3ème dans la hiérarchie des numéros 9 on va dire, même si à la base Nishimura n'est même pas un réel numéro 9. C'est vrai qu'il joue surtout sur les postes on va dire offensifs mais pas pleinement en tant que numéro 9. En tout cas avant de venir au Servette FC. En effet, Guimeno, ça a été un des seuls, sauf erreur, à marquer des buts qui étaient dans le jeu. On a eu pas mal de buts qui ont été marqués sur des coups de pied arrêtés ou alors des pénalties tout simplement. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant quand même de le voir descendre dans l'archi à ce point, mais c'est pas étonnant au vu du niveau de jeu de Nishimura. Avec Frey là qui peut récupérer un bon ballon, qui se démène autour de quelques Servettiens là, il peut donner à Schmidt qui adresse peut-être un bon centre, finalement c'est dégagé par Bradley Mazikou. Ça revient sur Frey qui tente une volée et qui va toucher l'écran en haut du stade, c'est dire si la volée est partie assez haute. En effet, je pensais qu'elle allait se loger dans les supporters ballon en passant au-dessus du filet et ça a même touché l'écran. C'est assez rare pour que le ballon revienne même sur le terrain. Même pas besoin de l'intervention des ramasseurs de balles sur cette action. Ce sera évidemment donc un 6 mètres qui va être effectué par Joël Ball. Et donc Nishimura qui a remplacé Enzo Crivelli après moins de 10 minutes suite à une blessure. Alors que là, Mazikou a pas mal de champ devant lui. Ça peut être intéressant. Mazikou qui va écarter sur le côté gauche sur Derek Kuteza face à Rueg. Le centre de Kuteza. C'est pour Nishimura. Et c'est juste à côté. Ah, c'est dommage. Première occasion pour le japonais qui donne peut-être raison déjà à René Weiler de son choix justement au détriment de Jérémy Guimeno. En tout cas une première occasion déjà pour les Servettiens, peut-être la première du match. Bon, il y a eu cette volée justement de Frey, mais on ne veut pas, une occasion, on veut pas parler de dangerosité en tout cas. Non. Alors que la tête de Nishimura n'est pas passée si loin que ça, il me semble, du but de Marvin Hitz. En effet, c'était assez intéressant et intrigant de voir autant d'espace laissé à Bradley Mazikou qui a vraiment eu le temps et le champ nécessaire pour délivrer cette passe à Kuteza qui a ensuite effectué un bon centre sur la tête de l'international japonais Nishimura. Touche servettienne aux abords du milieu de terrain qui va être effectué par Keigo Tsunemoto qui attend des propositions de ses partenaires et va trouver justement son compatriote Nishimura. Nishimura là qui se bat face à Schmidt. Le ballon est dégagé par Schmidt et ce sera une nouvelle touche servettienne. La touche servettienne qui va encore une fois être effectuée par Tsunemoto sur son côté droit. Ballon qui passe au milieu de terrain, malheureusement la touche manque de précision et c'est pas trop le profil de Nishimura pour les touches longues, mais le ballon est tout de même servettien avec Timothée Konya maintenant pour Tsunemoto. Konya à nouveau. Finalement il y aura une faute qui a été sifflée à l'encontre d'un Balois et la faute était sur Tsunemoto.
La faute est jouée avec Steve Rouillet qui va écarter sur le côté gauche et sur Johan Severin. Il n'y a pas de solution devant lui. Il repasse jusqu'à Joël Mal qui va allonger. On en a l'habitude maintenant. Et par contre, le ballon est totalement manqué de la part du gardien chypriote directement en touche qui est joué assez rapidement par les Ballois. Et on passe maintenant jusqu'à Marvin Hitz qui lui joue au pied jusqu'à Abdoulaou. Les Ballois qui préfèrent jouer au sol. Retour à Abdoulaou qui va pouvoir peut-être écarter sur le côté droit avec Adjetey maintenant. Adjetey avec Rio. Et le ballon est manqué de la part de Jouy où il a été dévié par contre. On fait confier par Derek Teza et les Ballois qui ont essayé de jouer rapidement la touche mais se font rappeler à l'ordre. La touche est finalement effectuée avec Rueg qui peut jouer avec Frey. Frey c'était à destination de Rueg mais Rueg n'a pas vraiment compris le bon intention de son capitaine et finalement le ballon est à nouveau Ballois. On était dans les pieds d'Adjetey et maintenant dans ceux de Finn Van Breven. Qui va jouer long à destination de Kevin Rueg. Rueg qui remet avec Frey, le 1-2 c'est bien joué, il y a de l'espace un peu là pour Kevin Rueg qui a tenté un centre ou une frappe mais dans tous les cas ça manquait cruellement de précision et le ballon est directement filé dans les filets protecteurs et c'est Joël Mal qui cette fois décide de jouer court avec Steve Rouillet. Steve Rouillet qui peut avancer balle au pied mais Barry est déjà là, il repasse par Joël Mal qui va une fois n'est pas coutume probablement dégager ce ballon, c'est chose faite avec Stevanovic qui était au duel face à Schmidt qui en deux temps peut dégager ce ballon jusqu'à Steve Rouillet qui remet pour Galondois. C'est pas mal fait là sur le côté gauche pour Bradley Matikou, s'il peut sauver cette touche c'est le cas. Xhaka qui vient maintenant mais Bradley Matikou là qui peut lancer sur Nishimura. Et ça a été retouché par Derek Kuteza, la touche sera Balloise visiblement. C'est Adjetey qui a gagné cette touche pour les Ballois. Derek Kuteza avait l'air assez surpris mais c'est la décision qui a été prise. Car Rueg qui se gêne pas pour prendre de l'espace et gagner quelques mètres. Rueg avec Abdoulaou et Rueg qui dégage directement sur Steve Rouillet. Mais Steve Rouillet remet à un Ballois. Et finalement c'est Galondois qui va pouvoir mettre un peu de calme dans cette situation confuse et donner le ballon à Tsunemoto. Et ça arrive jusque dans les pieds de Joël Mal maintenant. Joël Mal qui joue court avec Steve Rouillet. C'est vrai qu'il n'y a pas un pressing impressionnant côté Ballois qui laisse les premières passes s'effectuer côté Servetien. Et dès qu'on se rapproche du milieu de terrain, par contre là le pressing devient plus conséquent. Peut-être que comme toutes les autres équipes, on s'est rendu compte que si Servette doit faire le jeu, c'est un peu plus compliqué que quand il progresse en transition comme ici avec Derek Kuteza. Malheureusement son contrôle est un peu long. J'ai pas compris pourquoi il est pas revenu à la faute par contre à l'arbitre parce que vraiment l'avantage a été donné une demi-seconde avant, même pas. Et finalement, pas de faute. Mais effectivement, les Ballois qui, s'ils ont compris comment contrer les Servettiens, ne vont pas se priver de le faire. Mais là, il y a du champ pour Bradley Matikou une nouvelle fois. Matikou aux abords des 16 mètres qui peut tenter un 1-2 avec Kuteza. Matikou dans les 5 mètres, Matikou le centre. Ça trouve malheureusement qu'un Ballois et c'est dégagé par Adjetey directement sur KD. Attention à la une action de rupture là. KD qui a tenté un grand pont sur Tsunemoto et il passe. Tsunemoto qui revient. Mais KD qui a pu écarter son côté droit avec Tarnobari. Tarnobari face à Joël Mal. Le crochet. Ah, c'est bien joué. C'est Brouillet qui a réussi à couvrir et le tir n'a même pas été sur la. Même pas été cadré. Et là il y a un ballon servétien avec Derek Kuteza. Kuteza face à vous, le duel 100% Genevois sur ce côté gauche finalement. Aïe. Oula, peut-être qu'il y a pas de Barry, non. De Tierno Barry. Barry qui va pouvoir provoquer. Barry à l'orée des 16 mètres, Barry le crochet, Barry encore et c'est bien joué encore une fois de Steve Rouillet. Magnifique intervention. Steve Rouillet en mode patron encore une fois. C'est déjà la troisième fois qu'il s'impose en mode patron face à Barry. Il lui montre qu'il aura affaire. Dans ce match-là, à qui il aura affaire dans ce match-là. Et c'est bien joué de la part du capitaine servettien. Même si c'était trois interventions, on va dire à la limite quand même. Hein. C'était pas. Oui, tout à fait. C'était rugueux en tout cas et des interventions solides. Mais remportées par le capitaine servettien. Et ça peut que mettre en confiance cette équipe Grenat qui aujourd'hui évolue en... avec son maillot extérieur doré. Et là, Tsunemoto qui peut déborder sur le côté droit, qui peut revenir sur Stevanovic, mais la passe est imprécise, pardon. Et là, Frey qui peut décaler sur Schmidt. Et Schmidt qui va prendre de vitesse. Steve Rouillet, finalement, il est bien déporté sur le côté gauche, mais
le centre à Rater qui parvient jusqu'à Frey justement. Et le ballon qui n'a pas pu être touché par le probablement capitaine balois aujourd'hui. Et ce ballon sera servettien. On va faire la vue ralentie, Fabien Frey qui a tout juste manqué le ballon et il lui est passé entre les jambes, sauf erreur. C'est vrai que là, deux grosses actions quand même, coup sur coup potentiel finalement. Dans les deux actions baloises, il n'y a pas eu de tir cadré qui a été comptabilisé, mais on voit que c'est un match pour l'instant qui fonctionne un peu en rupture. On a eu une opportunité assez intéressante avec Mazikou qui a fait une 2 écoutez ça, il y avait vraiment de l'espace dans les 16 mètres. Centre fort de Mazikou malheureusement directement sur un balois. Mais c'est vrai que c'est un match en tout cas, c'est début de match plaisant à voir où ça va vraiment dans les deux sens. Antunes là qui a pu être trouvé sur cette touche de Stevanovic. On va repasser par Tsunemoto. Tsunemoto avec Stevanovic. On doit qui va peut-être changer de côté. Non, il fait signe à Bradley Mazikou d'écarter. On va d'abord passer par Johan Sévrin qui va retourner sur le côté droit avec un long ballon pour Stevanovic. Bon contrôle de la poitrine et on aura probablement le premier corner de cette partie. Non, oui, on lui fait un corner. J'étais pas sûr qu'on allait le donner. En tout cas, Marvin Hicks ne comprend pas. Ou alors peut-être qu'il engueule juste ses défenseurs, mais ce sera bel et bien un corner servétien et il me semble donc le premier tout court de ce match. Oui, tout à fait. On fait le corner score qui s'affiche sous nos yeux. On se souvient, la dernière fois, Servette s'était imposé sur un corner qui était botté par Timothée Cognat. Je m'en étais pas plein, mais un petit peu étonné, on va dire. Et il avait fonctionné pour la tête de Johan Sévrin. Pourquoi pas remettre le coup avec Miroslav Stevanovic. On dirait pas non. En effet, Miroslav Stevanovic qui va tirer ce corner. Tsunemoto a fait un appel et finalement ce sera un corner direct. Stevanovic au centre, au niveau du point de pénalty, c'est dégagé par Barry. Le ballon revient sur Cognat, Cognat la frappe enroulée et c'est dégagé par Adjetey. Attention à bien communiquer côté servétien, ouais. C'est chose qui n'a pas été faite. Le ballon est pour Barry, il y a peut-être un peu. Oula. J'ai l'impression qu'il y a une faute quand même selon moi, mais ça et continue. C'est resté par terre, mais attention au Barry qui a pu se défaire de Tsunemoto. Barry qui va écarter sur Greg, mais c'est très mal joué et un coup favorable là pour. Antoine Cadet qui a pu rentrer dans les 16 mètres, faut pas faire de faute et c'est bien géré de là. Non, Antoine Cadet qui a pu s'échapper, c'est bon. C'est assez spécial, j'ai l'impression qu'il y avait potentiellement des fautes à des endroits. Et Alexis Antunes est par terre. Ouais, Alexis Antunes est resté au sol et Marvin Hicks est venu le voir. Et les soigneurs vont encore une fois faire leur entrée à côté servétien. Des images qui aussi pas. J'ai cru que Sévrin s'était imposé face à Cadet et Cadet qui est passé dans un trou de souris qui a pu donner cette balle pour. Qui a marqué finalement même. J'ai pas fait attention à un centre. Un ballon qui a été remis au centre, il me semble que c'est direct. Non, je sais pas. Je saurais pas dire. L'information. C'est vraiment elle est super vite et c'est vrai que cette action de rupture a finalement été bien jouée par les Balois sur un corner. Et effectivement, tu l'as dit, on s'est mal compris entre Antunes et Mazikou. Derrière, Antunes se blesse potentiellement. Et là, on voit, ouais, c'est. Non, c'est Cognat effectivement qui était revenu, qui s'est fait battre par Cadet et c'est but de Kevin Rueg. Ouais, en effet, Rueg qui s'est trouvé dans une position très offensive. Et ouais, c'est vrai que c'est parti de cette, ce ballon au milieu de terrain où j'ai mentionné qu'il fallait juste bien communiquer entre Antunes et Vétain, qui était l'autre joueur. Finalement, la communication n'a pas été faite et c'est même Antunes qui s'est peut-être blessé sur cette action. Et c'est surtout l'ouverture du score balloise. Après un peu plus d'un quart d'heure de jeu, à la 18ème minute de jeu. Et Alexis Antunes qui est toujours en train de subir des soins. On va voir si ça va être une nouvelle sortie. On a Thomas Zinguignan qui nous dit qu'il y a tellement faute sur Antunes. À voir si cela va être checké effectivement. En tout cas c'est checké. D'un c'est coup déjà ça. On retrouve un petit peu d'espoir. Hein. Ouais, peut-être une poussette, je sais pas. On a j'ai pas l'impression les, que pas les ralentis. Moi j'ai aussi vu l'intervention de Barry sur Tsunemoto où il tacle. Pour moi il y a potentiellement faute là également. On va voir ce qui va être checké par la VAR. Je pense pas qu'on pourra avoir les mêmes images que l'arbitre. On va voir René Weiler donner son avis à l'arbitre. L'arbitre lui dit qu'il va faire son job et vérifier cela à la VAR. Parce qu'on sait que la VAR n'a pas été, je ne sais pas si on peut dire, pas été très clémente, mais en tout cas elle n'a pas complètement fait son travail au match contre Zurich où il y avait une faute sur Tsunemoto sur le 16 mètres qui n'a pas été sifflée, qui n'a même pas été vérifiée par la VAR. La décision. Et le but est annulé. Pas but. On a fait faute. Maintenant on va voir où la faute. Lieu, si c'est sur Antunes ou si c'est sur Tsunemoto par la suite. Peut-être sur Antunes quand même. Hein. Il me semble bien qu'on se dirige vers le,
l'euro central. Mais maintenant, à voir si Antunes va devoir sortir. En tout cas, on n'a pas de serviteur à l'échauffement, ou alors il est déjà en train de se changer. Bola, Bola peut-être. Et Weiler qui s'énerve, qui demande un peu le résultat. Est-ce qu'on doit changer? C'est pas clair. Hein. Non, c'est pas clair. Les instructions sont claires pour personne. La seule chose qui est claire, c'est donc que le FC Ball n'a pas ouvert le score sur cette action. Le but a été donc annulé. On en reste à 0-0 alors qu'on vient de passer la 20e minute de jeu. Antunes est prêt à faire son retour sur le terrain. Il attend. Il grimace quand même un petit peu, hein, mais ça devrait aller alors qu'on a le coup franc qui a été joué par Steve Rouillet directement sur Adéric Kouteza, et la touche sera pour les Servettiens. En effet, et Antunes a fait son retour sur la pelouse. Les deux équipes sont à présent au complet. Et avertissement sans frais donc pour les Servettiens. Kouteza face à Ruegg, Antunes. Mazikou maintenant, Mazikou qui va revenir sur Steve Rouillet. Effectivement, comme tu l'as dit, un premier avertissement sans frais pour les Servettiens, mais qui doivent le prendre en considération et dès maintenant, parce que la prochaine fois, ça va pas pardonner. On a fait peut-être un peu de laxisme hein, côté Servettien au niveau de la défense. On a l'impression qu'il y avait eu pas mal de problèmes de communication sur la même action. Chose à corriger évidemment. Et heureusement pour les Servettiens, il y a eu faute sur Alexis Antunes. Tsunemoto, le centre, deuxième poteau pour Kouteza, et ce fort, c'est dévié par lui, eh bien, j'ai l'impression, mais en tout cas, ça n'a pas été vu par l'arbitre, et ce sera un dégagement au 6 mètres pour Narvin Hitz, l'ancien joueur aussi à Dortmund, notamment. Et ça va être jeu court, hein, j'ai l'impression, à côté balois. Ouais, c'est même Van Bremen qui va la jouer, on hésite encore un petit peu, parce que là, les Servettiens, cette fois-ci, sont très hauts. Oui, en effet. On demande même à Nishimura de sortir des 16 mètres, qui est prêt à partir, hein, là, qui est prêt à débouler sur Marvin Hitz, mais Marvin Hitz qui va finalement allonger donc jusqu'à Barry et Tsunemoto là qui se fait un petit peu avoir facilement, mais finalement il a peut-être bien lu la trajectoire de ce ballon et celle-ci file en touche qui est effectuée par ce même Keigo Tsunemoto pour Steve Rouillet qui va allonger là sur Kouteza. Il a vu de l'espace là sur Kouteza. Kouteza avec un nouveau duel 100% Genevois face à Rouillou et dommage. Le grand pont qui était super bien joué et le centre à rater malheureusement qui trouve simplement Marvin Hitz. En effet, le duel Genevois entre Kouteza et Rouillou est pour l'instant largement à l'avantage de Derek Kouteza. En tout cas, on va se concentrer sur le jeu avec Barry une fois face à Rouillou. La frappe, c'était sur le petit filet et au moment où elle est partie, je ne pensais pas qu'elle allait finir aussi près du but. Et c'est là qu'on voit un attaquant en confiance quand même, hein, qui oui, tente une fait. Frappe comme en ça des 16 mètres, et à quel limpide. Point il ne passe pas si loin que ça, c'est fou. Ouais, elle était vraiment belle cette frappe de Barry, et le danger balois qui se précise, hein. C'est je pense moins de 50 cm, si le ballon était 50 cm plus bas, à mon avis ça aurait été l'ouverture du score, et cette fois il n'aurait pas pu être sauvé par la VAR selon moi. Avec Séverin là, attention, il faut également bien se parler, ça a été bien géré, et tous les motos qui va écarter sur le côté gauche jusqu'à Mazikou. Il a Abdoulaou qui vient à ses côtés pour le presser, et là le duel par contre entre Rueg et Kouteza qui est perdu par le Genevois, mais le ballon est bien récupéré par Ondoua. Finalement il y aura une faute. Selon moi il n'y avait clairement pas faute, et on sait que Tolon Xhaka est généralement plutôt dans la catégorie des durs à cuire. Plutôt dans la catégorie des fautifs, on va dire. Oui, mais en tout cas, sur cette action, c'est évident qu'il n'y avait pas faute selon moi. C'était une très bonne intervention de Gaël Ondoua qui est venu depuis derrière et qui a uniquement touché le ballon pour le remettre en jeu. Et je sais pas si on en a parlé, mais l'arbitre de cette rencontre est donc Urs Schneider. Hein. Je sais plus dans quelle catégorie il est des arbitres qui a le plus mis de cartons jaunes ou de pénalty. Diego Esteban nous en a parlé dans la voiture, mais j'ai oublié ce qu'il a raconté. Il en a beaucoup trop dit. Retour. En tout cas, ça doit être entre 4 et 5 cartons par match. Déployés par match. En tout cas, c'est la moyenne en Super League, effectivement. Avec Jetaï, retour sur Vuyo qui a un petit peu de champ. Il va peut-être. Je pensais qu'il allait allonger. Il va retourner sur le Ghanéen. On passe sur le côté gauche avec Van Bremen pour une nouvelle fois Barry. Barry qui peut dévier jusqu'à Rueg ou même pour lui-même. Non, finalement, c'est dégagé par Mazikou directement sur. Talon Xhaka qui peut écarter sur le côté gauche sur Schmidt qui va adresser un centre là, et c'est contré finalement par Miroslav Stevanovic.
qui fait bien couvert de Stevanović, qui a directement fait l'effort quand il a vu le ballon se diriger sur, sur Schmid. Et on retrouve le même Ballois avec le ballon dans les pieds. Il revient derrière lui jusqu'à Van Bremen. Adjetey qui va changer de côté maintenant. Non, finalement il reviendra. Le ballon reviendra dans les pieds de Marvin Hitz. Hitz avec Van Bremen sur le côté gauche. Et Ballois qui essaie vraiment de construire une offensive. Et Servetien qui n'effectue pas un pressing important quand le ballon est dans le camp ballois. Rueg en appui avec Vouillot. Vouillot face à Nishimura. Et il y a quand même oui, une petite faute selon moi de Nishimura qui est venu un petit peu s'essuyer sur Nicolas Vouillot. Et donc coup franc pour les Ballois qui va être joué petit visiblement par Fry. On va revenir sur Adjetey avec Abdoulaou, le pressing servetien là d'Antounès qui oblige les Ballois à retourner jusqu'à Marvin Hitz. Van Bremen maintenant et ça revient dans les pieds du portier Marvin Hitz. Adjetey qui joue devant lui avec Abdoulaou. Abdoulaou qui essaye de monter le ballon et il allonge maintenant en direction de Barry. Barry face à Séverin, c'est bien couvert de la part de Séverin, mais finalement le ballon arrive que juste dans les pieds d'Adjetey. C'est très bien joué, c'est joué d'Antounès qui a bien anticipé le pressing du Genevois et ça a donné de l'espace à ses coéquipiers. Alors là la sortie de balle est magnifique hein, entre Adjetey qui a réussi à se défaire d'Antounès, de Abdoulaou qui a laissé ce ballon pour Chaka qui ensuite met un petit extérieur sur le côté gauche. C'était pas mal joué et on parvient jusqu'à une touche là pour les Ballois un petit peu plus sur le terrain. Et effectivement les Ballois qui ont le ballon depuis bien 2-3 minutes maintenant. En effet, c'était comme tu l'as souligné très bien joué techniquement de la part des Ballois et pas seulement des individualités sur l'action complète. Avec Fry maintenant qui est redescendu un peu plus bas avec une belle remise là de Barry pour Abdoulaou justement qui revient sur Barry sur le côté droit, le centre de Barry et c'est directement dans les pieds de Bradley Mazikou qui peut donner pour Timothée Konya qui a vu peut-être l'appel de Antounès, il l'a vu avec un petit extérieur du pied, malheureusement ça a été coupé par Vouillot. Abdoulaou maintenant, Vouillot avec Fry, techniquement balle c'est propre hein, sur ce début de match ça s'en sort plutôt bien, balle au pied. Je pense qu'il y a quelque chose à exploiter côté Servetien au niveau des contre-attaques quand il y a Rueck qui est assez haut sur le terrain et qui ne peut pas défendre sur Kuteza. Avec la vivacité de Kuteza et sa vitesse face à Nicolas Vouillot, à mon avis, c'est un point sur lequel les Servetiens vont pouvoir appuyer au vu de la physionomie du match actuel et des Ballois qui sont pour l'instant l'équipe en possession du ballon, avec un ballon cette fois pour Konya. Konya qui demande des solutions et finalement il trouvera Bradley Mazikou. Les Servetiens qui mettent le pied sur le ballon pour la première fois depuis un bon petit bout de temps, j'ai envie de dire. On va repasser même jusqu'à Joël Mal qui va encore une fois devoir... Non, j'allais dire allongé, je suis vraiment de mauvaise langue. Et là, par contre, il y a un petit peu de place pour Tsunemoto qui va finalement repasser par Ondoa, Antounès. Antounès face à deux Ballois, il s'en sort Antounès. Et un gros tacle là de Toland Chaka qui le sait, qui s'est pas retourné vers l'arbitre. Hein, qui... Ouais. Il y a aussi, bien. De l'anti-jeu de la part du Ballois qui a dégagé le ballon et a éloigné ce dernier de la faute. Et visiblement ce coup franc va être joué je sais pas ce qu'on veut dire à fond de la part des Servetiens avec comme une situation en fin de match là. Tout le monde est dans les aux abords des 16 mètres. En effet, c'est Stevanović qui a botté ce coup franc. Il y a seulement Mazikou en couverture. Le coup franc est joué et c'est un petit peu long et c'est même directement jusqu'à Marvin Hitz. On cherchait Johan Séverin mais le ballon ne lui parviendra pas. Non, le ballon est être long et il est à présent en Ballois et une nouvelle phase de possession en Ballois qui a l'air de s'installer. Finalement non, Marvin Hitz qui a essayé de jouer long et le ballon arrivera jusque dans les pieds de Bradley Mazikou face au pressing de Rueg. Il ne prend pas de risque et il transmet à son portier, le gardien Joël Mal. Joël Mal avec Ondoa qui a un petit peu de place là cette fois-ci. Les Ballois ne sont pas venus le presser. Antounès qui peut donner à Kuteza. Kuteza face à Rueg. Kuteza qui redonne à Antounès mais il attendait pas le ballon dans les pieds. Il était déjà parti le meneur du jeu servetien. Et là faut bien se comprendre ouais, entre Tsunemoto et Mal. Finalement le ballon est récupéré par Tsunemoto avec Rouillé qui a également un petit peu de champ directement pour Ondoa. On repasse par le capitaine du jour Steve Rouillé qui va
changer de côté. Avec ballon de Rouillet était un petit peu bizarre, hein. Suite de Mazikou également. Mais finalement, sans conséquence pour les Serbes, qui garde possession de ce cuir. Un petit peu, ça peut faire du bien parce que c'est vrai que les Valois là depuis une petite dizaine de minutes avaient quand même le pied sur le ballon. Il faudrait en profiter maintenant avec Tsunemoto. Nishimura très très bas à la hauteur de Ondua avec Séverin qui a vu Kuteza. On va passer d'abord par Mazikou. Kuteza maintenant. Kuteza qui demande à Mazikou de venir devant lui. Finalement c'est pour Ondua avec Antunes. Antunes qui peut écarter sur le côté droit. Là c'est intéressant avec Stevanovic qui dédouble avec Tsunemoto. Le centre est contré par il me semble Kadé. Et ce sera un corner serbétien, le deuxième de cette partie. C'était assez intéressant puisque sur la phase de possession serbétienne où le ballon a été très bas, on a vu Nishimura faire l'appel. C'était Fabian Frey côté balois qui était le joueur le plus haut, donc on voit vraiment des vocations et des responsabilités offensives pour le capitaine balois. Et au contraire des. Alors le corner va être joué à deux d'abord par Stevanovic avec Tsunemoto. Le centre pour Nishimura, la tête de Séverin, et ça passe juste à côté malheureusement. Encore une occasion dangereuse du côté Grenat. Je voulais simplement relever que la dernière possession baloise n'avait pas débouché sur une situation ou une action, alors que les Balois avaient vraiment le ballon pendant 5 minutes, alors que la petite possession serbétienne a quand même débouché sur justement ce corner. On a vu quand même une volonté un petit peu plus directe de la part des Servétiens que celle des Balois qui ont l'air quand même, au même titre que les Servétiens, assez prudents hein, sur ce début de match. Il y a quand même de la peine à décoller, hein. C'est pas un match ennuyant, mais c'est pas non plus un match hyper rythmé. Et là, poussette de KD sur Rouillet, on aura donc une faute pour les Servétiens dans le rond central. On fait coup franc à Servétien. Pour l'instant, c'est Barry qui a le ballon dans les mains. Et le coup franc va être joué par Gaël Ondoy. Gaël Ondoy qui joue avec Antunes, il a de l'espace. Il va transmettre avec Derek Kuteza. Il y a un appel de Mazikou. Kuteza dans l'axe avec. Cogna pour Antunes maintenant à nouveau. Antunes face à Ruek, c'est bien joué. Antunes le centre en retrait. Kuteza dans les 16 mètres en possession du ballon. Kuteza encore. Oh là Kuteza là. Toujours très bien joué techniquement. Kuteza le centre. Dommage. C'était avec Xhaka et là il n'y a pas beaucoup de communication côté balois. Quelle vivacité quand même de Kuteza. C'était incroyable ce qu'il a réussi à faire techniquement dans les 16 mètres. Il y avait 3-4 balois. Il était toujours en possession du ballon. C'était très beau à voir. Antunes avec Nishimura aux abords des 16 mètres. Retour à Cogna maintenant. Cogna qui. On va repasser par Mazikou. Il y a vraiment 4 Servétiens sur un petit périmètre. Et on va revenir là sur Séverin. Rouillet. Signe également de. On va dire de la prudence servétienne. Il y en a quand même du côté servétien. Mais j'ai relevé tout à l'heure celle du FC Ball. Et là une tentative quand même assez lointaine sur un contrôle orienté d'Antunes. La position était pas mauvaise, mais peut-être que l'orientation du corps n'était pas la bonne. Certainement même. Donc ce ballon n'est pas cadré. Les Servétiens qui commencent à sortir un peu de leur camp et on voit qu'il n'y a pas forcément besoin de longues possessions côté Servétien pour être assez dangereux quand même. Gros duel là, entre Barry et Mazikou, j'ai pas vu si. Pourtant j'ai regardé le duel mais j'ai pas fait attention si Barry avait sorti le coude, visiblement pas parce qu'il n'y aura pas de carton jaune pour l'attaquant. Ah si, il y aura, ouais, effectivement. Voilà, c'est bien ce que je pointais du doigt, visiblement. Il y a eu un coup de sortie de la part de Tierno Barry. Et donc premier carton jaune de la partie qui est pour l'instant très correct. Et ça me rappelle quand même que même si Barry est un attaquant en confiance en 2024, il avait quand même commencé en 2023 avec peut-être quoi 3 matchs et 2 cartons rouges. C'était c'est juste. D'un point de vue d'observateur assez drôle, même si évidemment pour sa situation personnelle ça l'était pas du tout, lui qui était vraiment en manque de confiance énorme, lui qu'il a donc retrouvé en 2024. On espère cependant que cette confiance ne va pas se transcrire par un but ou une passe décisive aujourd'hui. On va voir si la solidité défensive servétienne va pouvoir être retrouvée sur la suite de cette rencontre. Avec une touche pour Keigo Tsunemoto. Les ballons ne sont pas d'accord mais ce ballon a visiblement été retouché suite à un double contact. Cogna la lutte qui parvient quand même à centrer mais le ballon directement pour les gants de Marvin Hitz. Qui va relancer sur le côté droit avec Nicolas Vouillot. Nicolas Vouillot qui peut avancer, non ? On va faire revenir sur Adjetey. Et on va même changer de côté avec Van Bremen. Van Bremen avec Adjetey. Toujours pas de pressing servétien. Assez attentiste.
assez attentistes, ou en tout cas qui choisissent la prudence. Oui, la prudence, et généralement ils enclenchent le pressing une fois que les Ballois passent en tout cas à la ligne médiane, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, car tant que les Ballois sont dans leur camp en possession du ballon, le danger est évidemment pas présent pour les Servettiens. Van Bremen avec Abdoulaouk. Abdoulaouk a hésité à allonger, va repasser par son défenseur central à Jetey. Bouillot, Fry maintenant qui a tenté en une touche de remettre à, jusqu'à Rueg. La touche est pour le Zurichois et ça revient là avec Fry. Attention, finalement c'est dégagé et ça permet à Timothée Cogna de peut-être lancer ce Stevanovic qui demandait le ballon en profondeur. Il va l'avoir de la part de Tsunemoto, mais il va peut-être l'avoir un petit peu long. Ouais. Un peu trop en profondeur. Pour Stevanovic, j'ai dit Rueg, le Zurichois, mais l'ancien Zurichois, je sais pas si il est Zurichois, mais effectivement. En tout cas, il a commencé sa carrière pro du côté du FC Zurich. Après, je sais qu'il avait été. Même à Young Boys, et oui, il a été prêté, sauf erreur, à Young Boys. Je sais pas s'il est prêté ou si le transfert est définitif du côté balois. Il a dû se faire pas mal d'amis entre temps. Passer de Zurich à Bâle, entre temps Young Boys, comme ça. Effectivement. Avec Abdoulaou. Van Bremen qui a également hésité de allonger. On préfère jouer au pied hein, côté balois. On voit quand même une certaine prudence également du côté balois. On n'essaye pas d'allonger, on joue vraiment des ballons où la probabilité de le perdre est assez faible. Et même quand on allonge, on le retrouve là. Ouais. Avec Van Bremen. Et peut-être la première imprécision, bon, certainement pas la première, mais on va dire la première imprécision notoire technique pour les Ballois dans ce match. Et heureusement pour eux, ce n'est qu'une touche pour les Servettiens. Et Odouala qui demande à ses joueurs d'écarter. Ouais. Effectivement, Weiler qui n'a pas compris vraiment pourquoi Mazikou était rentré aussi intérieur. Et là, par contre, on a le droit à un festival de Derek Kuteza sur le côté gauche. Et c'est vraiment pas mal. Kuteza là qui peut s'infiltrer. La frappe de Kuteza, malheureusement, qui est totalement... manqué. Totalement manqué. Un peu dévissé. On voit Kuteza qui est vraiment en forme sur cette première demi-heure, j'allais dire. Mais non, on s'approche plus de la fin de la mi-temps. Déjà. En tout cas, une première mi-temps solide du côté de Derek Kuteza. Peut-être des manques de précision par moment. En termes de vivacité et de technique, on est là, très fort. On y est habitué quand même du côté de Kuteza. Avec Joël Mal qui va pouvoir dégager. C'est compliqué. Il a glissé, Joël Mal. Je sais pas si c'était voulu de mettre ce ballon à terre. Probablement pas, vu qu'il n'a pas trouvé de Servettien. Et là, il y a peut-être une action. Faudrait un peu mieux se comprendre quand même sur ces débuts d'action de rupture. Parce qu'on perd des secondes précieuses. Mais le ballon peut quand même parvenir à Kuteza qui tente un ballon compliqué pour Nishimura qui le trouve un petit peu par miracle et qui peut donner à Antunes la frappe qui est malheureusement contrée par un Ballois. Ça revient sur Tsunemoto qui tente sa chance. Oh là là. Qui passe juste au-dessus, un petit peu comme celle de Barry. Et ouais, on était pas loin là de l'ouverture du score servettien sur pas grand chose, j'ai envie de dire quand même, parce que en effet ce ballon de Tuteza avait touché le petit filet là au niveau de la frappe. On est vraiment, c'est très similaire à la frappe de Barry plutôt dans la période. Et c'est vrai que c'est parti un peu de loin avec un ballon long. Je sais plus qui a donné ce long ballon. Kuteza, pardon, justement, oui. Sur Nishimura. Ballon, c'est ça, ça a été dévié par Vuyo. Et finalement, Nishimura est un peu chanceusement se retrouve en possession du ballon. Et finalement, peut-être l'occasion la plus franche servettienne. Avec là, un ballon disputé entre Cadet et Séverin. Cadet qui remet pour Séverin. On va dire que c'est sympa pour lancer les servettiens et qu'on doit, mais il n'y a pas de... vraiment de Servettien à l'avant-poste et on n'a pas pu lancer une contre-attaque rapide. On va plutôt temporiser avec Cogna qui peut quand même écarter sur le côté droit avec Tsunemoto pour Nishimura maintenant. Nishimura qui est obligé de revenir dos au but. Retour à Nishimura, mais c'est bien triangulé avec Cogna qui repasse par le côté droit et par Stevanovic. Stevanovic, Tsunemoto à nouveau. Cogna. Tsunemoto, c'est vraiment bien joué de la part des Servettiens. On est dans les 16 mètres avec Stevanovic, le centre en retrait. Et finalement, c'est un nouveau corner pour les Servettiens, le troisième de cette partie. Et le danger qui commence un petit peu à se préciser, hein, depuis qu'on n'a plus vraiment de possession balloise. Bah, le jeu est, on va dire, à peu près égal. Et finalement, les Servettiens qui, au fil des minutes, j'ai l'impression, prennent confiance.
Bah, c'est l'impression que ça donne, en tout cas les Servettiens qui n'ont pas besoin d'être en possession du ballon pendant longtemps pour être dangereux. Les ruptures ou les actions sont très bien jouées rapidement. On va se concentrer sur le corner avec Tsinemoto pour Stevanovic. C'est bien joué. Stevanovic dans la cime, Stevanovic au centre. Oh, c'était bien joué de la part de Stevanovic. Le centre qui est vraiment passé devant tout le monde. Hein. Et c'est un Ballois finalement qui a pu dégager. Le ballon était dans les 5 mètres Ballois. Et il n'y a pas eu de Servettiens bien placé pour reprendre ce ballon. On a senti un petit silence dans le stade hein, quand même. Ouais. Je sais pas si c'est moi qui ai retenu ma respiration seul, mais c'est vrai que ce ballon est vraiment passé devant tout le monde et on se demande presque comment il n'a pas fini au fond. Mais les Servettiens qui, comme on l'a dit, ont pris confiance visiblement et sont toujours ont toujours le pied sur le ballon. Avec Séverin maintenant. Séverin qui a vu des appels mais qui préfère jouer sur Ondoie. Ondoie qui a vu celui de Steven sur la droite. On va préférer d'abord passer par Rouillet qui allonge à son tour et qui va retrouver ce ballon, qui a pu devancer Barry, qui donne à Tsunemoto avec Antunes. Le jeu qui se passe un petit peu plus sur le côté droit depuis quelques instants. Ça a l'air de bien fonctionner pour les Servettiens avec une frappe. Mauvais pied d'Antunes, il me semble. Ou en tout cas, elle était un petit peu trop enlevée. Et ce ballon qui donc file en 5 mètres, je sais pas si on a eu une frappe cadrée dans ce match déjà. Je vais aller vérifier les statistiques, mais... Non, on n'a pas eu cadré à ce Ferra. C'est vrai que c'est dommage là pour revenir sur l'action Servettienne, le ballon qui est vraiment passé au milieu de tout le monde et ce Ferra, c'était Ondoie qui était assez proche de pouvoir récupérer ce ballon et il aurait eu vraiment aucun vis-à-vis et une cage vide. Malheureusement ça n'a pas été chose faite et c'est toujours un score nul et vierge de 0-0 malgré une ouverture du score balloise qui a été a été annulé finalement après intervention de la barre dans les 20 premières minutes de cette rencontre. Joël Mal qui allonge pour directement sur la tête de Schmitt avec Abdoulaou, Fry, Chaka et la triangulation qui a été coupée par Timothée Cogna qui va pouvoir lui-même changer de côté avec Mazikou maintenant sur la gauche. Mazikou avec Ondoie là qui a pu être trouvé dans un bon espace qui peut donner à Kuteza. Kuteza le centre un petit peu à l'aveugle j'ai envie de dire. Finalement, le ballon est dégagé par les Ballois, mais il va revenir avec Cogna sur Tsunemoto. Tsunemoto qui a de la place pour centrer. Le centre est mal parti, on va dire. Enfin, qui n'a pas trouvé de hauteur. Mais ce ballon est retrouvé par ce même Tsunemoto avec Cogna. Nishimura maintenant, le centre qui a pu être dégagé par Rueg. Retour à Nishimura. C'est un petit peu brouillon, on va dire. Au même titre que la relance des Ballois et c'est récupéré par Stevanovic mais c'est coupé par Fry et on a une action de rupture avec Barry et c'était pas Fry, c'était Kadé pardon. Barry qui peut donner un bon ballon pour Kadé justement face à Joël Mal et c'est goal. La moindre enjeu qui pouvait sauver les Servettiens cette fois-ci, l'ouverture du score est balloise. C'est un ballon qui est quand même assez chanceux parce qu'il est arrêté, c'est très bien joué, c'est très bien lancé de la part de Barry. Barry qui lance Kadé et son frère Kadé qui tire sur le pied de Joël Mal et le contre est favorable. Le ballon revient sur Kadé sans qu'il ait le temps de le contrôler et ça finit directement au fond des filets. Joël Mal qui a été impuissant face à ce contre favorable, lui qui avait fait une bonne intervention. Peut-être une intervention là-bas, on peut voir l'arbitre assistant qui se touche l'oreillette, mais j'en suis pas certain. Ça avait l'air d'être bien lancé. Hein, ce serait assez miraculeux. En tout cas, on a des discussions entre Fabio Celestini et René Weiler. Ils ont vraiment pas l'air d'accord, hein, les deux. C'est assez drôle à voir quand même. Même si effectivement, les Servettiens viennent d'encaisser probablement le premier but valable de cette rencontre. Pas Kadé qui avait une statistique assez folle de minutes sans but. Ah, je sais pas du tout. C'est possible, mais il avait quand même fini par marquer à un moment, il me semble. En tout cas, il me semble pas que c'est son premier but cette saison. Et le but a l'air d'être validé par Schmider. Et donc, l'ouverture du score. Mais ça retient un peu de la barre cette fois-ci pour les sauver et pour amener cette ouverture du score. Tout sera à faire maintenant pendant cette suite déjà de première période et en seconde période. Tant que les Ballois
ont pris l'avantage. Un ballon maintenant qui est Servetien. Les Servetiens sont en possession du ballon depuis l'engagement. Avec Rouillet qui peut transmettre à son compère de défense centrale, Séverin. Séverin qui va écarter avec Kuteza. Kuteza face à Rouillet. Kuteza, pas beaucoup d'espace et il ne peut pas se mettre vers l'avant, position de prédilection du Servetien. Et finalement, le ballon arrive jusque dans les pieds de Séverin à nouveau. Et à une nouvelle fois, on voit un attaquant en confiance, Tierno Barry, qui a donné une magnifique passe à Antoine Cadet, qui a pu faire cette ouverture du score. Mais là, il y a un bon ballon de Tsunemoto qui a pu centrer jusqu'à Mazikou. Enfin, le ballon qui parvient jusqu'au deuxième poteau. Mazikou, il a l'appui de Konya, il va finalement revenir sur Ondoua. Ondoua qui va se raviser et donner à Konya à nouveau. Konya qui peut centrer à son tour. Et il y a trois ballons qui ont sauté en même temps. Finalement, ce ballon est disputé entre Nicolas Vouillot et Nishimura. Récupération par Konya aux abords des 16 mètres. Konya, Antunes pour Kuteza qui a fait 1200 centrer. Finalement, la passe est directement pour Antunes. À nouvelle fois dans un petit périmètre. Et on aura 3 minutes de temps additionnel. L'action qui n'est pas finie. Konya toujours pour Antunes. C'est vraiment... J'ai l'impression qu'on se complique quand même un petit peu la tâche côté Servetien là dans ces petits espaces. On s'en mêle des fois un petit peu les pinceaux. Mais le ballon qui parvient quand même à Tsunemoto pour un centre. Et c'est dégagé par Fry et maintenant Schmitt. Et attention à une nouvelle rupture là pour Cadet qui a pris de vitesse et Rouillé. Cadet qui peut peut-être donner jusqu'à Tierno Barry face à Joël Mal. Et c'est bien joué. René Valère qui a l'air totalement dépité et c'est compréhensible. On a fait deux buts coup sur coup alors que les Servetiens n'étaient pas spécialement menés. Deux actions de rupture très bien jouées et comme tu as dit, un attaquant en confiance, ça s'est vu. Il a délivré une passe décisive. On l'a peut-être redire finalement. Ouais. Et ouais, bon, Tierno Barry qui marque son 8ème but de la saison et qui a délivré tout à l'heure sa 4ème passe décisive. Enfin, tout à l'heure c'était il y a 3 minutes 30, hein, c'était. Ouais. En tout cas ça sonne et ça fait mal, on revoit la fin de l'action et à nouvelle fois KD pour Barry, avant c'était Barry pour KD et ça marche parfaitement pour les Ballois. Et ouais, entre les jambes de Joël Mal qui se fait littéralement crucifier, hein, lui qui n'a pas eu grand chose à faire durant ce match mais qui a dû déjà aller chercher trois fois le ballon au fond de ses filets. Et score de 2-0, un but dans le temps additionnel donc maintenant, et deux buts en 2 minutes. Et une fin de première période absolument catastrophique côté Servetien qui se retrouveront menés de deux buts avant la reprise et la deuxième mi-temps. Ouais, réaction il devra y avoir. Est-ce qu'il y aura c'est tout ce qu'on souhaite et tout ce qu'on va espérer voir pendant les. Enfin, comment dire, ouais, espérer de voir avant cette deuxième mi-temps. Et c'est ce qu'on va espérer pendant les 15 minutes de pause. Servette est mené 2-0 sur deux buts dans les 5 dernières minutes de cette première période. C'est ce qu'il fallait aux Servettiens pour se réveiller dans cette période, on va dire, sombre, hein, pour les Servettiens. Et celle-ci se confirme en tout cas. À voir si les Servettiens auront la mentalité. Et ce qu'il faut dans le ventre pour inverser tout cela au cours de cette deuxième mi-temps. A tout de suite.
Et on est de retour donc pour cette deuxième mi-temps. Servette est dos au mur, ou je sais pas s'il y a un autre adjectif, hein, un autre encore plus haut, mais c'est vrai que là on est vraiment peut-être dos à une montagne, ouais, c'est peut-être pas mal, mais Servette est mené 2-0 donc, avec deux buts juste avant la mi-temps, vraiment deux coups de poignard dans le dos, ça fait très mal, et on espère voir une réaction dans cette deuxième mi-temps. Hein. En effet, on espère avoir une réaction, et c'est clair que sur le papier, au niveau, au vu de l'historique récent des Servettiens, ça paraît être une montagne qui est presque insurmontable, en tout cas avec seulement un but marqué lors des trois dernières rencontres depuis cette fameuse pause internationale, et pour l'emporter ou en tout cas sauver un point, il faudra marquer deux fois plus de buts que ce qui a été fait sur les trois derniers matchs. On va voir si la réaction va être présente, ou sinon les Servettiens devront se contenter à présent d'une troisième place et uniquement d'une place sur le podium, avec deux points de retard sur Lugano quand même. Donc un enchaînement de matchs tout simplement affreux, avec pour l'instant trois défaites depuis cette fameuse reprise de la pause internationale. Une quatrième qui se profile pour l'instant. Et je déteste regarder derrière nous, mais j'ai presque envie de dire heureusement que Zurich s'est fait battre hier. Parce que sinon il revenait à 3 points. C'est. Ouais, c'est Servette s'est vraiment mis dans la. Comment dire, dans une position difficile tout seul, avec uniquement ses résultats, sans prendre en compte les résultats des autres équipes. Car certes, Lugano c'est très fort depuis la reprise, mais si on regarde devant, IB a quand même perdu pas mal de points également. On peut pas dire que IB fait un sans faute devant, et si c'était le cas, l'écart serait encore plus grand entre les Servettiens et le leader du championnat. C'est vrai. Avec Bradley Mazikou sur le côté gauche, avec Kuteza. Bradley Mazikou qu'on a retrouvé donc, et on aura une faute là, baloise, mais une bonne impulsion de la part du Congolais. Pourquoi pas, hein, une réaction rapide là, ça pourrait faire changer les choses directement, et ce serait évidemment pas pour, pour nous déplaire. Il y a, j'ai quand même envie de dire qu'il y a la place. Certes, Servette n'a pas encore cadré un tir. La balle ne l'avait pas fait non plus d'ailleurs avant d'ouvrir le score, mais bon, pourquoi pas sur ce coup franc. On aimerait une réaction côté Servettien. 47ème minute. Cogna, c'est parti. C'est. Oula, c'était pour Antunes qui s'était vraiment élevé d'une manière assez peu académique. Et le centre là de Stevanovic s'est dégagé en corner par les Balois. J'ai l'impression qu'il y avait un Balois hein, sur Antunes qui. Qui a donné cette envolée assez spéciale en effet. C'est Nicolas Vouillot, l'ancien Servettien, qui a mis ce ballon en corner. C'est le quatrième corner de la partie. Côté Servettien, il sera bloqué par Miroslav Stevanovic. Stevanovic au premier poteau et s'est coupé par un ballon. Ça revient dans les pieds de Tsunemoto qui s'est fait surprendre par le rebond. Tsunemoto. Avec Stevanovic, finalement, la trajectoire est coupée par Kadé et le ballon est dégagé. Ça arrive jusque sur la. Sur le crâne de Mazikou et finalement dans les pieds de Timothée Cogna. Cogna qui va repasser par Mazikou dans le rond central avec Steve Rouillet. Steve Rouillet, attention, faut pas se tromper. Il repasse par Mazikou. On doit Stevanovic en appui avec Antunes pour Tsunemoto. Tsunemoto qui tente sera 1-2, non. Stevanovic qui continue tout seul, qui va centrer. C'était pour Nishimura et la tête qui est donc cadrée, premier tir cadré Servettien. Malheureusement elle manquait un petit peu de puissance et même de, comment dire, de précision également. Elle était un peu trop centrée et finalement elle est arrivée presque directement dans les bras de Marvin Hitz, qui a dû certes se déployer, mais c'était un arrêt au final pas très compliqué à effectuer, et le ballon est maintenant en balois. Avec une phase de possession qui s'installe, le ballon qui arrive dans les pieds de Van Drummond, qui va certainement chercher à jouer devant et il n'y parvient pas. Il revient jusqu'à Tolon Xhaka, finalement dans les pieds de Marvin Hitz à nouveau pour Adjetey. Adjetey avec Nicolas Vouillot. Retour au défenseur ghanéen Abdoulaou. Et c'est clair, hein, les Balois. Ils n'ont plus besoin de forcer leur jeu ou leur talent. Ils sont devant et avec deux buts d'avance. Même si évidemment ça reste un score, on le sait, dangereux. On sait que sur pas grand chose, n'importe quelle équipe peut revenir dans un match avec un tel score. Donc faut évidemment ne pas désespérer. C'est toujours possible. Schmidt
long ballon sur Barry qui est, a pu dévier pour Cadet. La connexion entre les deux hommes se fait très bien. Et Fry là qui aurait pu donner un ballon très dangereux pour Barry, mais il a été coupé par Tsunemoto. Et là on a une faute de Chaka sur Konya qui s'est retenu de lui mettre un coup de pied. Avec Tsunemoto là qui a pu être servi assez rapidement sur ce coup franc, joué très vite. Mais Stevanovic est un petit peu esselé sur la droite. On repasse par Tsunemoto et maintenant par Konya qui tente un nouveau centre, mais il est totalement manqué. On fait centre totalement moqué qui manquait de précision et qui est arrivé directement au 6 mètres. Et de toute façon, il était même trop fort pour qu'il soit repris par aucun de ses coéquipiers. 6 mètres balois qui va être effectué par Mavinic qui va prendre bien évidemment tout son temps. Et c'est compréhensible du point de vue balois, avec cet avantage qui paraît, en tout cas au vu de ce qu'on voit sur cette rencontre, assez confortable. On va voir si ça va être quelque chose qui va se confirmer. En tout cas, ce coussin de deux buts et l'historique récent servétien ne parle pas en faveur des servétiens, et du coup on parle en faveur des balois. Un ballon qui est servétien cependant à l'instant avec Steve Rouillet. On voit Mazikou qui se propose sur le côté gauche. On va repasser par Joël Mal finalement. Joël Mal. Le dégagement qui atterrit directement sur un balois. Mais c'est récupéré par Mazikou. Non, finalement ça l'est par Rueg. Et finalement c'est Timothée Konya qui vient nettoyer tout ça. Et on peut repasser par Keiko Tsunemoto qui demande de monter à ses attaquants. Rouillé. Retour au japonais. On sent quand même les servétiens un petit peu empruntés dans le jeu. S'ils ne se compliquent pas la tâche aux abords des 16 mètres, ils ne trouvent pas la solution pour y arriver. Donc c'est clair que comme ça va être compliqué de revenir dans ce match. C'est sûr qu'on n'a pas vu beaucoup de possessions servétiennes assez longues qui ont abouti avec une occasion dangereuse à la fin. Généralement ça vient quand même d'actions de rupture et de certaines étincelles qui sont venues la plupart du temps lors de la première mi-temps, de Derek Kuteza notamment, qui a été très en jambes et qui est toujours très en jambes d'ailleurs, et peut-être qui sera le facteur X sur cette rencontre, en tout cas on l'espère, pour créer une révolte côté servétien. Mais là on est loin de voir une révolte pour l'instant, avec une remise de Stevanovic qui a manqué complètement de précision et le ballon a filé directement en touche. Cette dernière va être effectuée par Schmidt avec Abdoulaou. Schmidt devant sur Cadet. Mazikou qui va jouer jusqu'à Joël Mal. Rouillé qui a vu peut-être l'appel de Mazikou. C'est l'appel de Kuteza, pardon. J'avais Kuteza dans ma tête, mais j'ai sorti Mazikou. Et la passe était je sais pas qui a mal compris quoi. Je sais pas si c'est Kuteza qui l'a voulu autrement ou si la passe était réellement totalement manquée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas arrivée à destination. Et la possession est de nouveau baloise. En effet, Marvin Hicks qui est maintenant face au pressing servétien, qui arrive quand même à transmettre à Jack à 4 d'espace. Parce que je joue avec Nicolas Ovidio sur le côté droit. Il transmet devant lui à Rueg face à Mazikou. Rueg qui parvient à repiquer dans l'axe, toujours en possession du ballon, et ça revient avec Nicolas Vouillot pour Cadet qui est venu s'excentrer. Cadet le centre, c'est contré. Ce sera un corner balois et ce fera le premier de la partie, malgré le fait que l'équipe soit devant au niveau du score. C'est le premier corner de cette partie pour l'équipe baloise, sauf erreur. Qui va être effectué par Chaka, qui évidemment ne se presse pas. Et ouais, une mi-temps où Sarretien avait l'air d'être bien rentré avec ce coup franc, ce corner. Mais finalement pas si pressant que ça et pas si intense que ça. Et les Balois ont à leur tour une occasion de peut-être enfoncer un peu plus de clous. C'est directement sur Adjetey et c'est arrêté par Joël Mal sur la ligne. Ce ballon un petit peu mou de Tierno Barry, il me semble. Et Mal qui a décidé de jouer rapidement avec Odoa Stevanovic qu'on n'a pas du tout l'habitude de retrouver dans cette position. Mais c'est suite au corner défensif qu'il était
vraiment dans le rond central. Et on va peut-être le retrouver pour cette touche sur le côté droit. C'est le cas pour Tsunemoto. Tsunemoto avec Odua, retour au japonais, qui voit l'appel de Konya, mais c'est beaucoup trop compliqué ce ballon un petit peu lancé au hasard. Hein. C'est... Les idées sont là, mais en tout cas en termes d'exécution, c'est assez pauvre côté Grenat. Bah, même les idées, hein. Non, les idées sont pas les meilleures, mais si l'exécution est bonne, ça peut compenser. Mais là, ça manque vraiment un peu de tout. Et on revoit le corner, ouais. En effet. C'était vraiment sur la ligne, et sauvé juste devant la ligne. J'allais potentiellement faire le commentaire. Heureusement qu'on n'a pas la technologie qui nous permet de savoir si le ballon a franchi la ligne. De toute façon, il n'avait pas franchi la ligne. Ça a été très clair sur ces images. Ouais, bien joué de la part de Joël Mal qui l'a vraiment sauvé au dernier moment. Ouais, le ballon est un petit peu mou parce que Barry n'a touché, on dirait, que des crampons. Oula, pourquoi faire? Chaka qui envoie un missile dans les tribunes. Il aurait vraiment, je pense, il aurait pu blesser gravement quelqu'un là. Si le ballon arrive dans la tête ou au mauvais endroit, c'est effectivement. Retour au jeu avec Konya sur cette touche, mais il est face à deux Balois, il s'en sort bien pour Stevanovic. Qui va enfin peut-être changer un petit peu de côté. Séverin, Odua, Mazikou maintenant. C'est pas mal, là il y a un petit peu de place pour Mazikou. Mais il joue directement avec Kuteza qui est obligé de se réaxer et même de repasser par Joël Mal carrément. Comme j'ai dit, les Sorvétiens, j'ai l'impression qu'ils sont également un petit peu en manque d'idées. On va voir comment ça va évoluer sur la suite de la période et la suite du match. Mais en tout cas. Les idées ont l'air de manquer cruellement, tout comme l'exécution. Pour l'instant, un match sans côté Servetien, 2-3 étincelles. Et... Alors qu'on a failli pouvoir récupérer un ballon là. Bah, presque, en effet. Les ballons hors du terrain sont spéciaux aujourd'hui. Entre ceux qui touchent la télé du stade et ceux qui arrivent chez les supporters. Avec une touche pour Stevanovic jusqu'à Tsunemoto. Retour à... Non. Le ballon a été dégagé par Schmidt et on va retrouver Johan Séverin en tant que premier relanceur pour Rouillé. Retour au numéro 19 Servetien. Mazikou, Konya, Kuteza maintenant. Kuteza là qui peut mettre un petit peu de vitesse dans ce jeu et ça permet au Servetien de peut-être changer de côté. Oui, Steve Rouillé là pour Stevanovic, mais le ballon est encore une fois beaucoup trop compliqué et René Weiler il se demande hein, comment on peut se mettre en difficulté pareillement. Moi aussi. Je pense que côté des supporters, on se demande comment on a pu arriver dans cette position. Position très défavorable évidemment avec ce score de 2 buts à 0. On a l'impression surtout que les Servetiens n'ont pas les clés pour retourner cette rencontre pour l'instant. En tout cas dans le jeu. Alors pourquoi pas sur une balle arrêtée, même si évidemment on sait, c'est pas forcément notre point fort. Mais je disais pareil, il y a 6 mois, lorsque le Servette FC était venu s'imposer ici même, 1-0 sur un corner justement. C'est frappé par Stevanovic directement sur la tête de Steve Rouillet. C'est bon justement. Encore une fois sur un corner. Peut-être que le retour servetien peut venir de là justement. On en parlait, ces balles arrêtées. Et un petit peu comme la confiance de Ternier au Barry, on l'a un petit peu appelé ce corner et ce retour servetien. Et ben voilà, pour une fois que je dise pas de bêtises. Ouais, on avait l'impression que dans le jeu c'était compliqué et... Tant mieux que ça soit les coups de pied arrêtés, c'est très rare hein, quand même. Enfin, c'est pas très rare, enfin, si, c'est quand même assez rare. Mais justement, je le disais. Et... corner gagnant côté Servetien. Et là, il vient vraiment à point nommé à la 59e minute ou alors à la 58e. J'ai pas fait attention. Et... le ballon a franchi les fileurs. Et sans vouloir s'enflammer, j'ai l'impression quand même que ça rebat un petit peu les cartes. Alors, pas si Antoine Cadet nous fait un solo et nous marque un but là maintenant, mais voilà, les choses peuvent peut-être s'inverser. En tout cas, ça s'annonce pas le temps. Ça va changer quelque chose. Il y a peut-être un déclic ou un déblocage qui va être fait parce qu'il y avait vraiment, depuis la reprise, très peu de buts marqués côté Servetien. Et c'est vrai que la physionomie du match maintenant va potentiellement être plus débridée. On est à l'heure de jeu. Oh là là. Mazikou là, par contre, qui est venu s'empaler contre un Balois et ça permet à Cadet de lancer Barry. Mais attention, faut bien négocier cette situation pour la défense servetienne parce que là, prendre le troisième, ce serait encore plus compliqué hein, de revenir.
Mais un petit peu l'impression que ce but vient quand même de nulle part. Justement, on en parlait, les Servettiens qui n'avaient pas les clés dans le jeu. Alors pourquoi pas sur corner? Effectivement, c'est venu sur un corner. Donc espérons encore deux corners pour les Servettiens. Deux corners pour les Servettiens, ou alors une belle action des joueurs en forme de la journée. Il n'y en a pas énormément côté Servettien, mais Rouillé est l'un d'entre eux. Que ce soit sur le plan défensif, il a été très bon. Et c'est de lui qui est venu évidemment la réduction du score. Mais on pense à Derek Kouteza qui est très en forme. Et on espère le voir capitaliser sur sa forme du jour avec potentiellement une contribution à un but. Joël Mal pour un dégagement directement sur Adjetey. Ondoua qui remet sur Van Bremen. Et là, ça aurait pu partir très vite pour les Valois. Et je trouve quand même que ce rôle de meneur de jeu pour Fabian Frey, qui est assez intéressant, hein, lui qui est plutôt sur la fin de sa carrière, mais qui peut toujours enchaîner les efforts, que ce soit défensif ou offensif. Et pour l'instant, dans ce match, ça nous a fait mal, même si là, sa remise pour Paris était un poil imprécise. Et heureusement pour les Servettiens qui sont en possession du ballon avec Joël Mal en dehors de ses 16 mètres. Mal qui essaye de trouver des solutions, il porte le ballon étant donné qu'il n'y a pas de pressing balois qui se met en place. Ce sera un long ballon à destination de Keigo Tsunemoto. La couverture de Schmid est bonne. Finalement le ballon arrive quand même dans les pieds Servettiens avec Stevanovic qui est lancé par Tsunemoto. Stevanovic le centre. Et finalement ça passera devant tout le monde. Rueg, attention à la sortie de balle. Et c'est bien joué, ça a permis d'écarter le danger alors qu'il y a peut-être une faute là quand même. Là, j'ai l'impression que Schneider n'aime pas siffler des potentielles fautes sur Mazipou. J'avais l'impression qu'on avait également une autre quelques minutes auparavant. Quel est l'arbitre qui siffle le plus de fautes pour Bernie Mazipou? C'est peut-être la question qu'on va se poser dans le chemin du retour. Mais en attendant, il reste 30 minutes aux Servettiens pour continuer dans cette inversion de la tendance, on va dire. En tout cas, on en a pris le chemin avec cette réduction du score de Steve Rouillet il y a de cela un peu moins de 5 minutes sur un corner venu un peu de nulle part. Ballon pour les pieds une nouvelle fois de Joël Mal. Mal qui n'a pas de solution courte, préfère allonger à destination de Nishimura. C'est dévié pour Antunes, on essaie de se mettre Antunes, ça frappe et ça passe juste au-dessus. Alexis Antunes qui était assez proche de l'égalisation. Et au moment où tu veux revoir le ralenti, ouais, on n'y a peut-être pas le droit. Non. Et finalement, c'est bon. Plus de peur que de mal pour Alexis Antunes. On voit en tout cas les changements qu'on a l'air de se préparer. J'ai pas vu de quel côté. En tout cas, le panneau pour les changements est en train d'être agité. Et on va Je pense que les premiers devront être seront balois, mais ça devrait pas tarder côté Servettien. J'ai vu Vagard discuter avec son préparateur physique. Ce sera Baron qui va faire son entrée côté Servettien. C'est directement le cas. Peut-être. C'est une bonne question. Hein. Baron, ouais. On sait qu'il peut jouer à plusieurs positions. Il n'est plus cantonné à un poste défensif. On l'avait vu jouer assez haut justement contre balle au match retour. Il avait délivré une passe décisive, même sauf erreur, lors de la victoire 4-1. On va voir si c'est juste un rôle similaire pour lui pour cette dernière demi-heure de jeu. Rouillé avec Ondoua, Antunes qui est venu très bas chercher ce ballon. Et c'était pas mal là pour combiner avec Tsunemoto. Le coup franc était rapidement joué sur Konya pour Stevanovic. Stevanovic face à Schmidt. Stevanovic qui parviendra pas à adresser ce ballon et ni à obtenir de corner. Et donc le premier changement de cette partie, et c'est Gaël Ondoua qui va sortir pour Anthony Baron. Premier changement donc de cette partie, et assez étonnant de ne pas voir David Doumine avant Anthony Baron. Peut-être qu'il n'est pas encore suffisamment prêt. Je pense qu'au niveau du jeu, on va voir Anthony Baron qui va jouer un peu plus haut, et peut-être c'est des qualités que Anthony Baron possède, et peut-être pas David Doumine sur le plan offensif. C'est peut-être une explication que je donnerais à ce changement. On va voir comment ça va se goupiller sur le terrain avec un ballon intéressant là pour Stevanovic qui peut remettre avec Nishimura. La remise avec Antunes pour Kouteza dans les 16 mètres, elle est un peu longue. Kouteza parvient à sauver le ballon. Non, c'est vraiment dommage. Ouais, là René Weiler qui se prend la tête dans les deux mains parce que évidemment René Weiler a la maîtrise sur pas mal de choses, mais pas sur ces imprécisions qui font un petit peu mal sur ce genre d'action qui
qui sont importantes pour Servette pour revenir dans ce match. C'est un petit peu dommage. Mais bon, on espère qu'il y en aura d'autres pour les Servettiens. On tient un long ballon ballois. Et premier duel pour Baron face à Frey. Un ballon qui est joué proche de la touche et mis justement en touche par Johan Séverin. La touche sera baloise. Monsieur Schneider qui est en train de rappeler quelqu'un à l'ordre. Je ne suis pas certain de comprendre. Et ce sera pour un changement côté ballois. Avec la sortie de Djaka. Et l'entrée de Gabriel Sipoua. C'est lui qui avait pris rouge en match. On sort Messi pour celui qui a pris le carton rouge. Je dis Messi parce que je pense que tu te souviens de son but justement au stade de jeu. C'était Djaka dans une position comme ça et si à l'aise techniquement. Mais derrière le FC Ball c'était fini 4-1. Voilà. Contre rouge avec Stevanovic, mais le ballon est perdu à mi-terrain. Et Ruegla qui tente un ballon un petit peu au hasard sur Tierno Barry à la lutte avec Tsunemoto. Mais Tsunemoto est seul face à deux ballons. Il laisse donc Schmidt transmettre à Barry. On a maintenant Tsunemoto face à Barry. Et Nishimura qui vient l'aider. Et c'est pas mal fait là entre les deux. Et on peut lancer Antunes pour Konya. Une nouvelle fois un petit manque de précision. Et là Antunes est devant Rueg et ça permet à Kuteza là, d'être lancé un petit peu. Kuteza qui contourne Rueg, qui contourne également Frey, il va pouvoir changer de côté potentiellement. C'est ce qui est fait pour Stevanovic. Tsunemoto maintenant, retour au Bosnien. Stevanovic qui a tenté un ballon entre les jambes de Schmidt. Ça a été récupéré par les ballons dans un premier temps, c'est finalement dégagé un petit peu de manière compliquée. Et on est de retour dans les pieds servettiens avec Steve Rouillet. Rouillet qui cherche une solution, il va la trouver avec Timothée Konya. Konya qui va jouer devant lui avec Stevanovic. Stevanovic pour Tsunemoto, le 1-2, il y avait peut-être une obstruction hein, sur Miroslav Stevanovic, en tout cas il n'a pas été sanctionné. Pour moi c'était clairement le cas car le ballon a mis son corps en déposition et a empêché Miroslav Stevanovic de tout simplement avoir même la possibilité de prendre le ballon. Ce sera donc finalement une touche balloise jouée par Schmidt qui prend un temps assez conséquent pour effectuer cette remise en touche au vu de l'avantage balloise qui est compréhensible. Mais là ça commence à faire très long et la touche est finalement faite. Un ballon pour Sigua qui a manqué de précision, le ballon est maintenant servetien avec Nishimura qui provoque et malheureusement le ballon a été dévié et récupéré par les Ballois qui jouent un long ballon devant et c'était Rouillet qui était en couverture et il préfère ne pas prendre de risque et mettre ce ballon directement en touche. Et ouais, Sigua qui a pris qui a remplacé Djaka mais qui a pris la place de Frey et Frey est donc venu à la place de Djaka. On l'a dit hein, Frey peut jouer un peu partout donc il recule d'un cran et là on a un duel acharné entre Rouillet et Barry et il n'y a pas de faute signalé par l'arbitre et j'ai l'impression que c'est assez généreux mais attention au serviteur de ne pas abuser de cette générosité et de se faire punir derrière par justement ce genre d'imprécision. C'est vraiment dommage. Frey qui en commet également une petite mais qui peut garder la position de ce ballon, qui a pu transmettre jusqu'à KD. Mazikou un petit peu en difficulté, le centre de Rueg et finalement c'est Stevanovic qui peut donner jusqu'à Tsunemoto pour faire un petit peu respirer les Servettiens. Mais Tsunemoto qui va directement lancer Kuteza, c'est coupé par Vouillot et là mauvaise transmission baloise avec Antunes qui donne directement à Nishimura mais c'est, je sais pas pourquoi on se précipite comme ça. Enfin d'un côté on se précipite mais un petit peu dans le mauvais sens parce que si Antunes donne à droite, bon il fallait encore le voir mais il y avait Stevanovic qui avait un bon appel et ça a été mal négocié de la part des Servettiens. Il y a vraiment une volonté de jouer en contre-attaque alors que c'est pas forcément la meilleure solution. Parfois Kuteza va provoquer malheureusement. Ça a été bien couvert par le capitaine ballois Fabien Frey et le ballon est désormais rénant avec Abdoulaou. Abdoulaou devant lui, il y a de l'espace pour Schmidt maintenant. On va voir ce que le ballon va faire avec ce ballon. Schmidt le centre et ça manque de précision et c'est dégagé par Rouillet qui peut remettre jusqu'à Alexis Antunes. Bon, c'est pas mal fait ça, même si Antunes a pris deux joueurs ballois dans son dos. Les Servettiens qui peuvent se déployer en 4 contre 4 là avec Konya qui peut transmettre à Kuteza. Kuteza qui va centrer jusqu'à Nishimura. Et ouais, je sais pas comment, mais le japonais n'a pas réussi à mettre de puissance dans ce ballon. Mais apparemment, il y avait hors-jeu.
premier abord et on a un petit peu de vent. Ouais, bon, je pense qu'on l'entend également au niveau du microphone. Qui vient s'installer sur le parc Saint-Jacques. Le vent qui se lève et on espère que le match va se décanter et une égalisation servétienne pourrait potentiellement être proche, même si dans le jeu, à part la réduction du score, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu, en tout cas dans mes souvenirs, de grosses actions, mais on voit qu'il y a quand même eu du mieux. Cette réduction du score a fait un gain d'énergie indéniable quand même côté servétien, et on a quand même des cartouches offensives qui sont assez intéressantes encore sur le banc avec Bola et Guimeno justement qui retournent dans le réchauffement. Et surtout il reste 20 minutes, ça retient, même si attention là il a un centre balois, mais le ballon a été retouché par Cadet. Ce sera donc un 5 mètres pour Joël Mal. Et visiblement on aura un nouveau changement servétien. Je vois plus Bola s'échauffer, donc peut-être qu'il est en train de... Bola et Guimeno vont faire leur entrée, se faire. Peut-être que les deux, effectivement. Ont été se positionner. Avec Séverin à la relance. Qui va changer de côté pour Tsunemoto. Au duel avec Schmidt, visiblement. Schmidt s'est fait mal, mais le jeu continue avec Barry. Barry face à Rouillet. Qui commet la faute. De voir une faute, à mon avis c'est plutôt Barry qui s'est emmêlé les pinceaux, ouais, qui s'est un petit peu empalé, hein. Et puis après était comme tu as dit s'empaler selon moi dans ce brouillé, mais la faute a été sifflée à l'encontre du capitaine servétien. Ce sera un coup franc qui est quand même assez intéressant et assez bien placé pour les Balois. Il y a quand même pas mal de taille côté Balois avec Barry, Van Bremen également, Bouillot qui est quand même un joueur de tête assez bon. J'espère qu'on ne verra pas sur cette action. En tout cas, Schmidt qui est resté au sol et qui reçoit des soins. Je voulais parler du temps, mais le temps vient de s'enlever. Ouais, il reste une bonne vingtaine de minutes, je pense. C'est 20 minutes. National. Et donc, coup franc pour les Valois, qui va être probablement effectué par Fabian Frey. C'est Frey en tout cas le seul qui est à côté du ballon. Ben Negus Bola et Jérémy Guimeno ont l'air tous deux prêts à faire leur entrée. Je ne sais pas si à mon avis on va attendre quand même que le corner, le coup franc pardon, se joue avant d'effectuer ces changements. Ce sera Fabian Frey donc qui va buter ce coup franc. Frey, c'est rentrant et c'est pour la tête de... J'ai l'impression qu'on cherchait Sigua. Attention, c'est remis par Cadet sur Van Bremen. C'est remis sur Cadet et c'est goal. Bonjour, soyez-vous. Assez rapidement et heureusement. Mais la plupart des supporters valois ne l'ont pas vu. En effet. Et je t'avoue que là, ça aurait mis un petit coup au moral. Hein, si... Mais c'est pas encore validé. Hein. Ah, selon moi, si l'arbitre. À partir de maintenant, si le drapeau est levé, c'est quasiment une certitude qu'il y a en jeu. Car on sait que normalement, les arbitres assistants ne prennent plus trop de risques à ce niveau-là. Et ce qui donne des situations parfois qui sont assez frustrantes quand on voit une occasion qui se poursuit. Au-delà du risque, s'il lève son drapeau juste après l'action, c'est qu'il est sûr normalement. Donc, ouais, on va lui faire confiance. Et donc ce but devrait être annulé. Annulé, c'est une certitude. Joël Mal va pouvoir dégager. Les changements vont-ils se faire? Oui, ils vont se faire. Avec la sortie d'Alexis Antounès pour Jérémy Guimeno. Antounès qui n'avait pas compris qu'il devait sortir. Il a juste jeté un coup d'œil au panneau. Il s'est dit ah bah c'est mon numéro et c'est lui qui sort. Tézal, deuxième servétien qui va céder sa place. Koutezal qui s'est quand même, j'ai l'impression, éteint au fil du match. Qu'est-ce qu'il y a? Alors la quatrième arbitre qui attendait alors que Derek Kuteza avait sorti vraiment quitté le terrain de l'autre côté depuis une bonne dizaine de secondes, elle n'arrivait pas à le voir et je trouvais la situation assez cocasse. Ben Negus Bola qui va prendre sa place en poste pour poste, je pense. Faut parler, mais je comprends pas, on se parle pas là entre Mazikou et Séverin. Heureusement, c'est cette fois-ci sans conséquence pour les Servetiens. Mais ouais, rouillé. Pour Tsunemoto qui en une touche a tenté de prolonger ce ballon. Ce sera une touche pour le japonais. Et changement également côté palois avec la sortie de Fabian Frey et l'entrée de Kachuri.
Geoffrey qui va transmettre son brassard avant de sortir. Ce sera au niveau du jeu une touche Servetti qui va être effectuée par Diego Tsunemoto. Tsunemoto avec Konya qui va balancer devant pour Ishimura. Finalement récupéré par Abo là pour son premier ballon. Voilà, qui peut glisser jusqu'à Stevanovic à la lutte avec Van Bremen qui intelligemment peut remettre Kachmit. C'est vraiment bien joué de la part des Balois. Là, il a ressorti le deux balles, est vraiment magnifique. Et Abdoulaou là qui peut lancer 4 dans la profondeur. Mal est sorti et Mal qui n'a pas touché ni Kadir ni le ballon. Assez surprenant pour le coup, mais les Servetiens s'en sortent bien. En tout cas, à première vue. Si on ne revient pas sur cette action avec Konya là qui peut transmettre à Stevanovic dans le rond central, mais il y aura une faute et qu'est-ce qui se passe? Avec Gimino, sauf erreur, qui était resté au sol. Ok. J'ai l'impression que l'arbitre a sifflé par rapport à ça, ce qui est assez surprenant. Très surprenant même. Et il siffle la faute là-bas, donc encore plus surprenant. Il y avait une faute beaucoup plus haute selon moi. Mais bon, le ballon est servi, c'est la seule chose qui importe à l'instant avec Anthony Barron. Anthony Barron qui va transmettre avec Johan Sebrin. Sebrin qui va jouer avec Bola, le nouvel entrant. Bola qui va allonger pour Bradley Mazikou qui est assez haut en terrain. Mazikou pour Gimeno, le 1-2. Ah. Heureusement, encore une fois, ça manque de précision. Ouais. Dommage. Dommage, dommage. 15 minutes pour les Servetiens pour essayer de chercher un résultat, on va dire positif. Un match nul serait quand même positif au vu justement de la physionomie et des récents résultats. En effet, il reste quand même pas mal de temps pour faire la différence. Dans un premier temps déjà égalisé. Et malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'actions servetiennes, j'ai l'impression que c'est le genre de match où c'est possible de, sur une action ou une presque action de, d'arriver avec quelque chose de dangereux. Donc on espère que ce sera le cas côté servetien. En tout cas. Et là Vuo qui se complique un peu la vie face à Jérémy Gimeno et la touche, la faute pardon, sera donc servetienne. Fait coup franc qui va a priori être botté par Bola et Steve Rouillé et lui monter aux avant-postes. C'est un coup franc qui va être joué direct. Pourquoi pas. On l'a un doublé de Steve Rouillé, ça serait magnifique. Il est en confiance, à voir si c'est lui qui va être visé spécifiquement sur ce coup franc. Bendegous Bola pour le botté. Bendegous Bola, il est rentrant et malheureusement il est sur la tête de Sigua. Et ça revient sur Bola qui aura peut-être une deuxième chance. Le centre de Konya, la tête de Van Bremen, ça revient sur Stevanovic. Stevanovic la frappe et c'est peut-être contré d'une main, non. En tout cas, l'arbitre fait signe de laisser jouer. Alors que là, Barry est vraiment tombé tout seul par contre et le ballon est toujours servetien. Il y a beaucoup de monde qui est resté aux avant-postes côté servetien. Konya maintenant avec Barron. Anthony Barron qui a de l'espace, il en profite, il avance dans le terrain. Konya. C'est pas mal ça. Konya, le centre, ce sera dégagé par Van Bremen et le ballon sera toujours servetien avec Konya. Konya encore une fois qui arrive à passer assez miraculeusement et Steve Rouillé va lui reprendre son poste en défense. La Barron qui tente ouais, un ballon trop compliqué jusqu'à Stevanovic et c'est dommage. Et les supporters ne sont toujours pas contents des dernières décisions de l'arbitre de cette rencontre. Qui avait en effet une main, mais le ballon de Van Bremen avait quand même l'air d'être collé. Difficile selon moi de siffler un pénalty là-dessus, malheureusement. Même si on pourrait argumenter sur le fait que Van Bremen a augmenté sa surface corporelle en contrant ce ballon, je pense qu'il n'y avait pas de matière à siffler pénalty. La touche sera baloise à la hauteur du milieu de terrain. Katsuri. Pour Adjetey et le ballon n'a pas été attaqué par Abdoulaou, mais la prise de balle a été mauvaise de la part de Barron et les Balois peuvent donc récupérer ce ballon avec Vuyo, Adjetey, Nishimura qui tente d'aller presser, il faut l'accompagner. Nishimura là qui fait un petit peu paniquer Van Bremen qui va quand même finalement bien s'en sortir avec un long ballon qui devrait mourir en touche. C'est le cas.
fait, touche effectuée par Tsunemoto qui arrive jusque dans les pieds de son portier. Joël Mal qui va allonger. Destination de Stepanovic, mais ce sera un peu long et ce sera pour personne, si ce n'est Marvin Hitz qui va essayer de gagner le plus de temps possible. On est quand même à ce stade-là côté ballon. Marvin Hitz s'est emparé du ballon. Il est présent dans ses bras, il va évidemment gagner plus de temps que les dites 6 secondes. C'est une règle qui est très peu respectée, et tout ça pour mettre le ballon directement en touche devant le bon Servetien. Barry qui a sauté juste devant Tsunemoto pour lui empêcher de faire la touche. C'est vrai. Avec Mazikou sur le côté gauche. 10 minutes pour les Servetiens. On va repasser par Joël Mal. Joël Mal qui va allonger. Non, qui va passer par Anthony Baron. Il a de l'espace. Là, il peut transmettre jusqu'à Konya. Stevanovic. Il y a Tsunemoto qui s'était proposé entre les lignes. Et là, le ballon va être compliqué jusqu'à Jérémy Guimeno qui va peut-être pouvoir le sauver. Non, il ne veut pas aller franchement. Et on l'a pas encore beaucoup vu. Hein. Encore une fois, il y a une incompréhension entre les joueurs, potentiellement un manque de communication. C'est pas la première fois qu'on le voit sur cette rencontre et ça commence à faire beaucoup d'imprécisions. C'est clair que c'est compliqué de faire une bonne partie lorsqu'on a autant d'imprécisions. Alors on annonce 25 655 spectateurs pour ce match. Une belle affluence aujourd'hui pour ce match. Dégagement de Hitz jusqu'à Baron. C'est récupéré là par ce même Baron et par Stevanovic qui a pu lancer Bola. Bola de la tête là qui peut s'emmener ce ballon. C'est pas mal. Il a un petit peu d'espace mais ça se referme vite avec Rueg et finalement il s'emmène un petit peu lui-même les pinceaux. La touche sera même baloise. Elle va être effectuée par Rueg qui va en profiter pour gagner pas mal de temps et pas mal de mètres. Il se fait rappeler à l'heure par l'arbitre, mais la touche n'a toujours pas été effectuée, c'est chose faite. Maintenant, long ballon à destination de Sigoua, mais ça a bien été couvert par Mazikou qui parvient à remettre devant lui pour Dimeno. Dimeno avec Konya, c'est bien joué Konya, malheureusement la sortie de Von Bremen est autoritaire, il met le ballon directement en touche et ce sera donc une touche servétienne. Mazikou qui va effectuer cette touche avec Johan Séverin Rouillet. Rouillé avec Mazikou. Mazikou qui va transmettre pour Bola. Bola avec Konya, retour à Mazikou. Baron. C'est vraiment dans le rond central. Avec Rouillé pour Stevanovic. Rouillé à nouveau. Stevanovic très très bas. Rouillé. Joël Mal qui va allonger alors que non, il va jouer avec Tsunemoto, mais le temps commence à manquer côté servétien. On est rentré, il reste plus que 7 minutes dans le temps réglementaire. C'est pas mal de cette partie. Cette touche a été effectuée alors que Joël Schmidt ne regardait pas dans le bon sens. Servetien aurait pu en profiter, mais finalement on récupère une touche avec quelques mètres de gagné. Là, c'est vraiment. Il manque un peu son contrôle mais garde ce ballon. Baron avec Tsunemoto. Stevanovic, retour à Tsunemoto qui a vu l'appel de Guimeno mais c'est mal transmis. Et finalement c'est, j'allais dire, récupéré par les Servetiens, mais encore une fois une imprécision technique. Nouveau changement pour les Valois. Avec la sortie de KDR et l'entrée de Jouenet. Buteur et passeur décisif Cadet qui va laisser sa place. Au niveau du jeu, ça va être une touche baloise de Schmid effectuée longue pour Sigoua qui a le temps de contrôler mais qui est bien couvert sur Tsunemoto et il y a une faute, oui, en effet, quand même.
faute va être effectuée rapidement par Cogna, mais l'arbitre rappelle à Cogna que la faute était plus loin. Pas spécialement nécessaire, d'autant plus avec finalement on gagne quand même des mètres. Ouais, bon. On gagne quand même des mètres au final, alors qu'on a joué le coup franc derrière. On avait perdu des mètres, on a voulu jouer vite. Et... Le seul résultat, c'est qu'on perd un peu de temps. Ouais, c'est ça, et c'est malheureusement ce qui va manquer le plus hein, dans les prochaines secondes, voire les prochaines minutes, avec un Sirouillet maintenant qui est aux avant-postes. Hein, même si là, pour Cogna. Ouais, Cogna a pas mal d'espace, il a pu donner jusqu'à Tsunemoto. Bola. Bola qui va jouer sur le côté gauche et sur Séverin Baron. Cogna là pour Tsunemoto, Bola maintenant, c'est pas mal fait là avec Cogna qui peut peut-être s'approcher des 16 mètres mais la passe est très mauvaise. Je n'ai pas trop compris ce que Cogna a voulu faire et une nouvelle fois Baron qui met ce ballon en touche. En effet c'était encore moins compréhensible ce qu'a tenté Anthony Baron avec ce ballon en touche qui va être effectué par Schmitz et surtout des secondes précieuses qui vont se dilapider. C'est Schmid encore une fois qui va jouer cette touche. C'est chose faite à destination de Sigoua. Il y a une faute d'Anthony Baron, ce qui nous fait encore une fois perdre du temps. Et ce sera un coup franc balois. Qui prend du temps à être effectué. Pas vraiment convaincu par l'entrée de Baron. Non, pas spécialement. Sertu au bout d'un moment une bonne précision, une bonne interception, mais ça a manqué de précision parce qu'il a trop poussé sa balle. Et c'est vrai que ça n'a pas été très convaincant et c'est difficile de le placer en fait sur le terrain. J'ai l'impression que là par exemple les derniers joueurs de champ servétien presque. Ouais, il est revenu en fait se placer en défense centrale pour permettre à Steve Rouillet de terminer le match devant. Ouais, c'est sûr. Mais le problème c'est que Steve Rouillet doit recevoir des centres et des ballons de la tête et pour l'instant on n'en a pas vu. Mais là Tsunemoto peut peut-être donner un bon ballon pour Benegous Bola et ça oblige en tout cas Phil Van Bremen à mettre ce ballon en corner. J'ai l'impression on sait que c'est de là que ouais, c'est un corner puisque Stevanovic se dirige. Ouais non mais ouais, Tsunemoto voulait jouer la touche, il voulait absolument la jouer. En tout cas, Fabio Celestini n'a pas l'air de comprendre le choix de l'arbitre de donner un corner. Et alors, pourquoi pas, hein. Stevanovic, c'est parti, c'est sortant. Ça ressort sur Timothée Cogna, il y a un ballon au sol. On continue à jouer. Finalement, c'est pour Stevanovic qui tente une faute. Stevanovic! Et ça va être un nouveau corner, visiblement. En fait, je sais pas ce qui se serait produit si par exemple ça aurait dû être une touche et finalement c'est un corner qui a été joué. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui aurait pu être fait au niveau de la VAR? Ça aurait été intéressant. En tout cas, on a Fabio Celestini sur le terrain. Stevanovic, le corner au niveau du point de pénalty, c'est dégagé par Van Bremen. Ça revient dans les pieds de Cogna. Cogna, la frappe, je ne sais. On pourrait dire ce qui a été précisément tenté par Timothée Cogna. En tout cas, ça finit en 6 mètres. Pour les Balois et là je pense qu'il y aura au moins une bonne dizaine de secondes si ce n'est une vingtaine de secondes qui vont s'égrener. J'ai cru que tu allais dire une bonne dizaine de minutes de temps additionnel. Non, en termes de temps additionnel je sais pas, 4 ouais. Merci. Je pense par là autour généralement les minutes de temps additionnel sont très peu respectées souvent par rapport au temps évidemment qui a été perdu. Tant qu'il n'a pas été joué tout simplement, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas le ballon est malheureusement en balois à l'instant et bien récupéré par une prise à deux et finalement c'est une touche qui est sifflée, j'ai l'impression, je suis pas certain. Et Servette est pas loin de concéder une quatrième défaite d'affilée. Et je pense que ce serait la première cette saison. Première fois pardon cette saison, même la 3. Déjà 3 c'était la première fois cette saison. Mais attention, il y a quand même un duel là, entre Vouillot et Guimeno. Ce sera une touche servétienne, donc assez proche du poteau de corner. Qui va être peut-être effectué directement par Guimeno. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de mouvement et pas beaucoup d'opportunités. Et finalement, Guimeno qui transmet avec Mazikou qui va revenir derrière lui jusqu'à Johan Séverin. Mais le ballon devrait être dans la zone de vérité là et malheureusement c'est pas le cas. On passe par Mazikou qui peut peut-être adresser un centre de sa position. Non.
René Weiler a dépité vraiment de la manière de son équipe joue. C'est vrai qu'on continue à construire, à essayer de faire une action construite, ce qu'on a littéralement pas réussi à faire pendant tout le match. Et c'est vrai que l'option de jouer des longs ballons paraît quand même être l'option la plus viable et celle qui pourrait nous apporter en termes de probabilité le plus de buts. Car on rappelle, le seul but de la rencontre est venu d'un coup de pied arrêté et d'une situation où c'est un centre qui a été effectué sur corner, sur la tête de Steve Rouillet. Et là, on joue vraiment avec Séverin qui transmet à Mazikou et on est très loin de la zone de vérité baloise et un ballon avec Konya. Mazikou qui arrive à trouver Tsunemoto. Tsunemoto dans l'axe qui vient potentiellement s'empaler sur Abdoulaou et finalement non. C'est une faute qui est sifflée contre Tsunemoto, c'est très peu compréhensible. Et 4 minutes de temps additionnel. Bah en fait il s'est un petit peu jeté le corps en avant pour empêcher le Balois de récupérer ce ballon, mais ouais, c'est compliqué. Compliqué ce match une nouvelle fois pour les Servettiens. Dégagement de Marvin Hitz jusqu'à Sigua là, qui peut récupérer ce ballon et l'empêcher de sortir. Voilà qui est venu se battre pour récupérer ce ballon. Anthony Baron qui transmet jusqu'à Joël Mal qui va pouvoir dégager. Il y a un tac de Gabriel Sigua. Finalement les Saritiens s'en sortent bien. Ils peuvent avancer un petit peu dans le terrain là avec Konya pour Stevanovic qui tente de mettre ses dernières forces dans la bataille. Une touche servetienne. Stevanovic qui a complètement changé de côté là sur cette action. Il y a un ballon pour Mazikou. Mazikou qui remet derrière lui avec Séverin. Anthony Baron. Baron qui demande des solutions. Il n'en a pas beaucoup. Il fait une passe complètement manquée. Ce qui a l'air de désoler René Weiler. Heureusement que c'est mal joué côté balois. Et Barry n'a pas pu prendre ce ballon parce qu'il était hors jeu. Et Baron va remettre jusque dans les pieds de Joël Mal en couverture. Ça arrivera maintenant avec Johan Séverin qui va jouer long. J'aurais été tenté de dire, ça aurait été la chose la plus facile à faire, mais ça n'a pas été fait. Finalement, c'est un ballon. C'est un ballon balois, ce serait une touche. Incroyable. Incroyable comment les Servettiens se mettent en difficulté tout seuls. Johan Séverin s'est mis en difficulté tout seul. Il avait l'opportunité de jouer long. Il a préféré rester en possession du ballon et il est venu s'empaler dans un balois. Et au final, la touche est même baloise. Et le ballon arrive jusque dans les pieds de Marvin Hitz. Avec le pressing de Steve Rouillet. Ouais, assez fou hein, de commenter ça. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pensé dire en tout cas. Il a une bonne couverture en tout cas de Séverin défensivement, mais il est obligé de mettre le ballon en touche. Et les secondes qui s'égrènent, on est très loin des cages baloises défendues par Marvin Hitz. Ouais, il reste un peu moins de 2 minutes pour les Servettiens. Kachouri jusqu'à Rueg et le ballon qui va filer en corner. Corner balois, j'ai l'impression que la messe est dite en tout cas côté Servettien au niveau du résultat final de ce match. On se dirige vraiment vers une défaite et le temps commence vraiment à manquer. Et je pense que ça va être compliqué de revenir avec le moindre point de ce déplacement en terre baloise et les balois gagnent du temps avec Barry au couteau de corner, mais c'est récupéré par les Servettiens avec Séverin et potentiellement la dernière action. Ouais, déviation de Dimeno. Ce ballon a quand même pu être contrôlé par Barry, mais il est récupéré par les Servettiens avec Konya là, qui n'a pas joué sur Tsunemoto, qui a préféré lancer un Servettien, mais c'est coupé par un balois et ça revient. La Kachouri qui tente un ballon totalement manqué. Il va rester 40 secondes au Servettien, la touche sera pour Bola avec Baron pour Mazikou. Mazikou, il y a de la place sur le côté gauche pour Il y avait Konya qui était tout seul.
Ok, à 3 minutes 48, la fin du match a été sifflée, on n'a même pas été au bout du temps additionnel. Mais de toute façon, on était assez loin quand même. C'est fou qu'on se termine sur une victoire en Valois sur le score de 12-1. J'ai envie de dire que ça a été quand même globalement mérité au vu de la performance qui a été offerte par les Servettiens, malheureusement. Et les Servettiens termineront donc cette journée à la 3ème place. Le FC Lugano est passé devant un Servette FC juste bien pâle et bien terne depuis la reprise. La fin de saison s'annonce longue limite en fait. S'il n'y a pas grand chose à jouer, bah là maintenant la bataille est plus pour le titre à l'heure actuelle, elle est plus pour la 2ème place. Donc on va voir comment ça va évoluer. Il y a certes encore la coupe à jouer, c'est peut-être là que toutes les forces vont être mises à présent. Et en tout cas, une suite de saison qui s'annonce potentiellement difficile à moins d'un championship round parfait de la part des Servettiens, ça va être compliqué. En tout cas, on voit jouer quelque chose. On voit des visages éteints, j'ai l'impression, entre Joël Mal, Johan Séverin, Miroslav Stevanovic. Ouais, c'est compliqué. Compliqué à décrire pourquoi et comment Servette se retrouve toujours à 54 points alors que il y était déjà il y a 3 semaines quasiment. Ouais, compliqué. Compliqué, Servette est sur 5 matchs sans victoire, 4 défaites de suite et il lui reste un match à domicile face à Guetze pour terminer ce championnat régulier. Une demi-finale de coupe à Winterthur et ensuite 5 derniers matchs pour boucler ce championnat et cette saison qui reste tout de même magnifique mais ouais, qui est en train un petit peu d'être terni sur cette fin tout de championnat. C'est l'adjectif parfait, c'est celui-là que je pensais utiliser. Donc si c'est tout pour toi, je pense qu'on va rendre l'antenne, il n'y a rien de spécial à ajouter. Merci à vous tous qui nous avez suivis durant cette rencontre qui s'est malheureusement soldée par une nouvelle défaite servettienne, la 4ème consécutive, et on vous retrouvera la semaine prochaine pour le match face à Grasshopper. Bon week-end.